Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société. Alors, on est rendu maintenant à l'épisode 2 du tutoriel d'Age Monia, euh, qui est le tutoriel qu'on a commencé lors de l'épisode 1. Et là, j'ai fait quelque chose d'un petit peu différent. J'ai lu les instructions euh, du deuxième tutoriel parce que c'est les instructions qui vont. Euh, euh, nous demander, dans le fond, euh, de, 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 de commencer des combats. Fait qu'on va avoir des combats dans celui-là. Ça, ça semble pas être très, très, très complexe. Et euh, surtout, euh, nous avons euh, une histoire euh, où vous rappelez-vous qu'au dernier épisode, lors du dernier épisode, on était dans une ville, dans une auberge, et malheureusement, il y a une porte qui a éclaté complètement et qui a euh, forcé, dans le fond, la. Euh, la ville, la fameuse ville, a été euh, complètement inondée. On a dû aider des gens euh, et euh, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et juste au moment où malheureusement on était parti pour ne peut-être plus exister, ben, on a fini. Ça, c'est une partie que vous n'avez pas vue, mais on a fini par être sauvé euh, par la fameuse marchande, le fameux marchand de soie euh, qui avait une seule un seul œil et euh, elle est venue nous chercher dans un dans son dans son dans son euh, magnifique, dans sa magnifique carriole que vous voyez juste là. Euh, et là, elle a dit euh, qu'on s'en allait vers Rundale. Alors, Rundale, qui est un, qui, j'imagine, qui doit être une grande ville euh, dans Hegemonia. Euh, et puis, euh, c'est là qu'on est donc rendu. Fait que là, j'ai pas mal tout lu. J'ai d'ailleurs pas mal fait euh, la mise en place. Euh, on a ici toute l'histoire. Je n'ai pas fait cette mise en place-là, j'ai fait la mise en place générale. Donc, j'ai mes, mes, euh, mes personnages qui sont là. J'ai redonné euh, les jetons de. de donc, les huit jetons pour ce qui est de Jonai. Ensuite, on a les dix jetons de Thorax. Et ensuite, on a l'unada qui en a neuf jetons. Quel bon, on a aussi les deux items que j'ai ici. Donc, euh, on a cet item-là. Et on a celle-là. Celle-là, je ne sais pas à quoi ça sert, j'en ai aucune idée. On verra éventuellement. Euh, quelques éléments de plus que nous avons. Bien, on prend maintenant toutes les. Euh, j'ai pris toutes les, les, les initiatives. Je, je les ai brassées, mais ça ne sert à rien encore dans ce scénario-là. Euh, C'est un, un. Ça va être une mission plus de temps que d'autres choses. On a, j'ai toutes les, les, les cartes d'histoire. Euh, The Road of Rundell, qui est quand même un bon paquet assez épais, qui est un petit peu plus épais que pour ce qui est du chapitre 1. Euh, ça, c'est un plateau euh, pour les, euh, les, euh, les méchants qui vont, être, qui vont être là. Donc, moi, j'ai des figurines. Je vous rappelle, le jeu vient avec des standees. Euh, je n'ai pas encore eu le temps de, de peindre les figurines. Ça va peut-être venir éventuellement. Mais là, pour l'instant, je me focus sur le jeu. Et est-ce que d'autres choses de nouveau Bien, On a les cartes d'initiative. Donc, cette fois-ci, on va fonctionner avec ces cartes-là qui vont déterminer euh, l'ordre dans lequel les héros et les ennemis vont, euh, vont s'affronter. Mais on a surtout euh, quelque chose de nouveau. Et ce qui est nouveau, c'est ce que vous voyez juste ici. Donc, on a une nouvelle habilité qui est juste là pour chacun des personnages, qui est une habileté euh, qui est euh, surtout, je pense, axée sur euh, le combat. Euh, et qui, euh, comme vous pouvez voir ici, si, euh, si je me tasse de ce côté-là, Bien, vous voyez que c'est pas les mêmes couleurs nécessairement. Alors, Jonah qui a la possibilité de combattre avec des armes à mêlée ou à distance, il y a des règles pour tout ça qu'on apprendra avec le temps. On a euh, Thorax que vous voyez là qui, lui, c'est juste une arme à distance. Et on a euh, de l'autre côté, juste ici, on a Lunara qui, si vous regardez comme il faut, elle fonctionne avec, euh, dans le fond, euh, c'est la même chose un petit peu que Jonah. Ça se ressemble beaucoup à ce niveau-là. C'est juste que Jonah frappe un petit peu plus fort, d'après ce qu'on euh, qu a pu voir. Fait en général, je trouve que c'est pas mal ça qu'il y a de nouveau euh, dans le jeu en tant que tel. Et puis, euh, ben, on, y va-tu, euh, est-ce qu'on y va pour le début de cette histoire-là On va découvrir l'histoire de Road to Rundale. Bon alors vous voyez qu'on est parti ici d'Ambergate. On est, est, est rendu euh, ici dans ce... Dans le coin là où il y a le numéro 2. On voit que Roondale est juste sur le dessus. Alors, allons-y avec l'histoire. You fly from the flooded city of Ambergate with the mysterious Shantor Three Birds and her strange wagon birdie as far as the Agura Crystal can power it. After you land, the wings are folded, and the calm and present Togrel, legionary, climbs out with the wagon to pull it. The road through the dense wisp tree forest is well paved and the sun is shining. You lack your belongings, but there is food and a few basic tools in Bertie's trunk. Every night while camping, Shantor tells you about her quest. She's looking for beacons built by the ancients millennia ago. She hints that she is the last person who can do what must be done to save Agamonia when asked for more details she winks and promises to tell you when you get to runedale on the third day you see a red light emanating from the horizon ahead of you legionary whimpers in fear and shantor has to calm him a great evil is afoot i must go ahead to investigate shantor says solemnly and shows you a stone with odd markings protect this runic plate Make sure Legionary pulls Bertie and the plate to yonder hill. You grab the tools from the trunk and encourage Legionary to move on. He needs to stay on the road, but you are free to roam the wilderness. Not that it looks very inviting with the razor sharp slave thorns and steep cliff on the right. As Shantor runs off, you have an ominous feeling that something will go horribly wrong if you are delayed. Alors voilà, fait il y a une histoire un petit peu complexe euh, d'après ce, ce que je peux voir, là, si je peux essayer de vous, euh, de, vous, euh, euh, de vous traduire ça un petit peu. Donc on est parti d'Embergate euh, avec la mystérieuse Chanter Tree Birds, elle s'appelle vraiment euh, Chanter Tree Birds, euh, dans son, euh, son, son wagon un peu bizarre, Birdie, euh, Birdie qui est un animal, je pense, qui fonctionne avec un genre de cristal, là, qui lui permet de le faire voler. Alors, après qu'on y soit atterri, euh, donc il y, y a des fameuses, justement, des les, les fameuses ailes qu'on avait vues dans le dernier épisode. Euh, donc, after you land, the wings are folded and the calm and pleasant Togrel Legendary climbs out of the wagon to pull it. Alors, je ne sais pas c'est quoi exactement un Togrel, mais il s'appelle Legendary. Euh, J'imagine que. Euh, que, bon, je ne sais pas exactement c'est quoi. Bah, c'est pas grave. Alors, euh, la, la route, elle est dense dans une forêt qui est quand même bien pavée et euh, le, 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 le soleil euh, est magnifique. Alors, euh, on n'a pas nos, nos, nos affaires, évidemment, on est parti très très vite, mais il y a quand même tout ce qu'il faut pour pouvoir se nourrir à l'intérieur euh, du wagon. Alors, à toutes les soirs, quand on, on campe, raconte nous raconte, euh, raconte l'histoire de sa quête. Elle recherche des beacons qui ont été bâtis par les anciens, plusieurs millénaires. Et euh, elle dit que la dernière personne who euh, can do what must be done, elle pense qu'elle est la dernière personne qui peut faire euh, ce qu'elle peut faire pour sauver Hegemonia Et là, je pense que c'est officiel, c'est pas hegemonia, mais c'est bien Hegemonia euh, C'est comme ça que ça se, que ça se dit. Alors, when asked for more details, she winks and promises. Donc, elle, elle promet qu'elle va nous en dire plus sur ce qu'on va arriver à Rundell. Sur la troisième journée, il y a euh, une lumière rouge qui a émané de l'horizon, juste en avant de nous. Euh, Legendary in Whimp, fear. Alors, l'animal en question a, a commencé à, à avoir peur un petit peu et Shanter a demandé de la calmer. Alors, il y a un grand méchant qui est pas très. Donc, Great Evil is a foot. Il y a un grand méchant pas trop loin. I must go ahead to investigate. Alors, je dois aller enquêter. Alors, Shantor qui euh, nous demande euh, donc euh, de protéger la runic plate et de, de s'assurer que Legendary pull Birdie. Donc Birdie, je pense, c'est vraiment le wagon. Et Legendary, c'est le nom de l'animal. Bon voilà. Euh, you grab the tools from the trunk. Alors on prend quelques outils de la euh, donc de la valise et on encourage Legendary de bouger. Et on pense qu'il faut se dépêcher, parce que sinon. Il risque d'arriver des choses pas le fun. Bon là je vais enlever le son parce que je suis pas sûr de ce qui va se passer après. Je vais demander de arrêter le son. Ok donc on a le scénario step et tout ça. Fait que là je pense que c'est bien beau. On est prêt euh, pour commencer euh, la partie. Alors on va regarder les additional steps qui sont là. Donc reveal the following items and divide them among your hero as you choose. OK, alors c'est les items 2, 4, 5 et 6. Alors, c'est la première fois que je vais vous montrer ma magnifique boîte à items qui est juste ici. Alors, on va sortir. Je pense que ça, ça va être les armes, dans le fond. Parce que l'idée, c'est quand même bon. On est parti trop vite. Donc, on peut pas. Euh, on n'est pas parti avec nos items. Alors là, il faut short la carte 2. La carte 4, 5. Euh, Oups, 2. 4. C'est parce qu'il y a plusieurs 4, mais en tout cas, on va y aller avec 5 et 6. OK. Fait que là, je ne sais pas s'il si fallait que je donne toutes les cartes, mais c'est bien. Item card et non cards. Je ne sais pas pourquoi il y en a plus qu'un, mais. Alors, je suis. Euh, je suis supposé. Alors, nous avons une torche qui est juste ici. Ensuite, on a une « Hand Axe euh, ». On a « Shovel ». Et on a « Hook and Rope ».« Hook and Rope » qui peut être utilisé pour être attaqué à distance. Ou, euh, Amérique, il y a un mot-clé également qui s'appelle « Climb ». You know, donc, ça, c'est des mots-clés qu'il y a sur certains. Donc là, je dois les placer sur mes... Euh, donc, chacun a deux places. Comme la « Shovel », elle prend deux places. Euh, bon, qui va attaquer avec une, euh, avec une pelle On va dire que Thorax euh, va attaquer avec la pelle. Je pense que la hook va aller avec euh, notre, euh, notre ami Jonai. Et bon, je pense... Ça, ça, ce que j'ai compris, c'est que ça, c'est... Le, quand on la met dans notre euh, si je la mets dans mon sac ça prend une place mais dans ma main évidemment n'est pas dans mon sac alors euh, je pourrais, le pire c'est que je pourrais prendre et la torche euh, je pourrais mettre la torche et euh, la, euh, la torche et la n -axe. Euh, je pourrais donner les deux ici à mon ami euh, Lunai. donc c'est sûr que je vais faire ça ici sont construits comme étant préparés donc je peux les utiliser Évidemment, quand je fais une attaque, euh, je dois en utiliser un des deux. Ça fait partie des petites choses qu'il va falloir que je vérifie. Alors, place your items below your hero board for now. Additionally, if a hero gained the Togrel Whisperer Story Card. Alors, on n'a pas, pas gagné ça malheureusement. Euh, et là, on a le Toggrel Wagon. C'est drôle, c'est exactement la bonne grandeur. Euh, additional Scenario Rules. Alors, euh, ici. Bon, je vais vous le montrer d'un petit peu plus proche, là, malgré que je ne suis pas sûr que vous allez être capable de lire vraiment. Là. Alors, c'est écrit A summary of these additional rules is shown on the other side of the topmost card of the story card. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'on prend le story card et quand on le tourne de côté, on a toutes, dans le fond, les informations sur le scénario, ce qui est quand même vraiment très bien pensé. Euh, size of Toggrel and Wagon. Alors, the combined size of the Toggle and Wagon is 3. Alors ça, ça a une grosseur de 3. Il euh, faut que je pense à ça. « These means that take up the same capacity in an area as three normal figures. » Donc, ils sont construits comme trois figures normales. « Consequently, they may only move into areas with a maximum capacity of at least 3. » Alors, ils peuvent seulement bouger dans une place où il y a un maximum capacité de 3. Donc, je comprends qu'ils ne peuvent pas aller dans plus petit. In areas with a maximum capacity of three or four, there may, there may be no more than zero or one other figures in that area at the end of the toggle and wagon movement. J'imagine qu'il va bouger pendant le scénario. Alors justement, les mouvements de toggle and wagon, donc une fois par round at any time during a hero's turn. Une fois par round. Once per round. Euh C'est ça. Donc, une fois par ronde, uh, « During a hero's turn, the Toggle and Wagon may move up to two. » Il peut bouger de deux. « The Toggle and Wagon may move through an area that contains heroes, and heroes may move through an area that contains heroes. » Donc, on peut bouger à travers, mais j'imagine qu'on ne peut pas arrêter sur euh, « An event if doing so would exceed the maximum capacity of the area. » Donc, c'est écrit « may move through ». Il faut que c'est bien compris, que c'est bien important. On passe à travers. The Togrell Wagon do not reveal story cards. Donc, lui, ne révèle pas des story cards. movement restriction, as well as a normal restriction on movement, such as the maximum capacity in area. There is one further restriction on the movement of the Togrell and Wagon. They may not move closer to an enemy if that enemy is already within three range. OK. Donc, uh, Togrell n'aime pas, uh, pas, uh, pas avoir des ennemis proches de lui. Alors, il ne va pas bouger s'il y a des ennemis plus proches de 3. Enemies at the toggle and wagon. Enemies may not attack the toggle and wagon. Donc, il ne l'attaque pas, mais il l'empêche de bouger. Ça, il va falloir que je m'en occupe. Alors, scénario end condition. Alors, je réussis le scénario. Si à la fin de n'importe quel round, le toggle and wagon est sur la, the rightmost road area, where story point P alors, is located. Alors, je, je, je rate le scénario si tous les héros sont exhausted. Euh, donc, si je meurs deux fois, dans le fond, c'est un peu comme ça que ça marche. Euh, the quicker you can successfully complete des scénarios. Donc, le plus vite que je réussis ce scénario et le mieux que ça va aller. On a ici les euh, the best result, c'est 10 ou moins. 11, 12, c'est un moderate result. 13 ou plus, c'est un unfortunate result. Ah, if you fail, uh, count your discard fate card as 13 or more. Si je, okay, si je rate, c'est 13 ou moins. Whether you succeed or fail, je continue. Alors, on va tourner la, la, la page de place. Alors, voilà <laughs> notre magnifique place. Et là, si je comprends bien, lui. Mais là, on, lui, on le place où? Hmm. OK, attendez, là. C'est où que je le place au départ? Euh... Il me semble que j'avais vu. Attendez, je pense que je l'avais vu dans mon autre, dans mon autre livret. Oh. <laughs> c'est ça qui arrive. Il y a beaucoup de choses. Euh, beaucoup de choses, mais euh, le, le jeu ne prend pas tant de place que ça. Parce que c'est très coloré. Hein. Vous, vous le voyez par vous-même. Euh, c'est écrit ici: place the and Wagon token in the area to the left of the mark start. Scénario map. Ok, fait que il commence à la gauche du scénario map. Alors je sais que vous avez malheureusement un petit peu de reflet ici. C'est ça qui arrive avec le papier glacé. Hein. C'est un petit peu plus difficile pour moi. Et là, moi, dans le fond, je commence ici avec le start. Ok, et je pense qu'on est prêt à commencer la partie. Sauf que ce que j'ai compris, c'est que Là, je suis mes héros qui sont ici sont à range de ça, sont à range de ça. Donc, on est déjà à range de deux éléments. Alors, on va prendre la story, le story H. Alors, on va commencer par le H. Moi, c'est la partie que j'aime vraiment beaucoup de jeu là, là c'est ça. Là. Ok. Alors, allons-y avec le Cliff Wall. Ouh, ok. Cliff Wall. Ça, c'est le H. Alors, the road is shadowed by a tall cliff. Alors, la, la route, elle est, euh, dans le fond, ombragée par une, un grand, euh, une grande colline, si on pourrait dire, on its right side, sur le côté droit. OK, je le vois un petit peu. Uh, too steep to climb without the right equipment and riddled with blade thorn. Alors, c'est beaucoup trop difficile sans avoir l'équipement pour pouvoir grimper. Et il y a des petites épines un peu partout. However, the cliff wall seems slightly less share ear. Alors, le, le, ce que je comprends, c'est que ici, ça semble moins pire de monter là. OK, parce qu'il y a des élévations. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Je vais essayer de, de vous le montrer, là, euh, si, euh, si mon, ma caméra me le permet. Là. Alors, si vous voyez un petit peu, là, si je descends juste un tout petit peu et que je vous zoome, alors, vous voyez sûrement qu'il y a des, euh, des petites flèches. Ici et là. Alors, euh, ces petites flèches-là montrent qu'il y a une élévation. Alors, euh, et là, si je comprends bien, euh, donc, quand je, si je vais à H, si je vais à H, je vais pouvoir examiner ça. OK. Là, il faut que je, je garde toutes mes affaires à quelque part. Ok, puis là, ici, il y a des petits symboles. Je pense que c'est ça. Donc là, si je comprends bien, je ne peux pas monter là, mais je peux monter ici. Mais je ne peux pas monter là, là, puis là. C'est ça que je comprends dans les élévations. Bon, en tout cas, bref, c'est ce que j'en ai, ai compris. Euh, et le deuxième que je peux ouvrir, c'est le E. Alors, je vais ouvrir le E. Alors, le, le E, ici, c'est écrit « A tree falls in the forest. » Alors, « The road to Roondale is in relatively good condition. » Alors, la route, elle est quand même en bonne condition. Par contre, il y a une uh, « Beset by the blade -thorn bushes. Uh, »« Although beset by blade -thorn bushes. Ben, » Il y a des... Il semble y avoir des, euh, des buissons un peu partout. « As you approach a bend, you see a tree fall down with a crash. » Alors, lorsqu'on s'approche, il y a un arbre qui est tombé avec un crash. Could this have been just an accident? Alors, est-ce que ceci est un accident? You will have to clear the road so that Legionary uh, and Birdie can continue along it. Alors, il va falloir qu'on euh, soit capable de l'enlever. Et là, c'est écrit Take in your surrounding. Peu importe où on est, on flippe. Donc, on va le flipper. Alors, c'est écrit The Danger of the Wild, Calm Togrel. Alors, Whisperer Story Card from tutorial 1 plus 2. Succès, mais je ne l'ai pas, ça. On oublie ça. Alors, Only a hero in the same area as the Togrel may perform this ability. Ok, donc on peut essayer de calmer Togrel. Alors, succès, ignore the Togrel movement restriction described in the scenario introduction on that hero turn this round. La restriction, c'est pour ce qui est des ennemis, si j'ai bien compris. Et les blade thorns, whenever you enter an area qu'il y a, qui a, qui a ici. Euh, ça, ça, ça veut dire qu'on se fait deux dégâts que je peux mitiger en lançant les dés bleus. Donc, deux dégâts, il faut que je lance les dés bleus selon euh, l'habilité la, la, qui est là. OK? Ça, c'est quelque chose qui va rester pour toute la partie. Il ne faut pas que je l'oublie. Il faut, euh, faut que je la mette quand même proche pour que je puisse m'en souvenir. Mais là... Pourquoi je voudrais monter là C'est ça que je me pose comme question. Puis ça, c'est la route qui est juste ici. Là. Cette route-là, elle est malheureusement. Euh... Elle, euh, elle, est, elle est bloquée. Il va falloir que je la débloque. Mais pourquoi je voudrais monter là C'est ça que je me pose comme question. Parce qu'on le voit très bien ici qu'il y a une genre de petite. Donc, ça, on ne peut pas monter. À moins que J'imagine je... que je peux faire le climb ici. Là. Si je regarde, je pense que j'ai une, une habilité pour le, le hook. Alors, some story card, you are you to move between areas? Euh, moi, ça me prend le climb. OK. Mais là, c'est l'élévation que je me pose la question. Laissez-moi juste revérifier les, euh, les informations sur l'élévation. OK, donc, en fait, ce que, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des doubles lignes ici. Donc, c'est sûr qu'on avait dit que je ne peux pas passer sur les doubles lignes. Fait Il y a des doubles lignes partout, mais probablement que là, je peux passer par en haut. Mais pourquoi je voudrais passer par en haut, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais il y a plein de choses partout que je, peux, que je peux aller et surtout ça ici que je peux me rendre. Alors, ben, on va choisir nos actions. Hein? C'est ça le jeu. Allons-y. Choisissons nos actions. On s'entend que c'est ça la première partie. Donc, premièrement, je dois choisir mes actions. Alors là, je ne pense pas qu'on a besoin de focuser. Est-ce que j'ai besoin... Là, je vous rappelle que je peux bouger mon ami Thogale de 2, mais là, il faut que je me euh, donc, on va faire des extra manoeuvres, je pense, pour l'instant. Je pense que c'est ça qui est, est ça qui est, le plus, qui est le plus important. Et là, je dois révéler la carte maintenant d'initiative. Alors, la carte d'initiative, on voit que là, là pour l'instant, je dois laisser tomber. Euh, ça, c'est des symboles spéciaux que je n'ai pas encore à, à utiliser. Ça, c'est ça les symboles d'action que je risque d'avoir dans la. Et là, on voit ça, c'est rouge, bleu et vert. C'est pas mal tout ça. Fait que là, j'ai les deux bleus qui sont là. Euh... Bon, elle a bouge de deux. Sa première action. Euh, c'est mmh. sûr qu'il faut se dépêcher. Fait que là, il y, y a quelque chose ici en haut que je pourrais, euh, que je pourrais aller chercher, mais je pense pas que. Là, je sais que vous ne le voyez pas à cause de mon de ma tête, de personnage, de moi. Mais la fleur qui est là, il y a quelque chose, ok? Donc, euh, on va commencer par Lunara. Lunara qui, euh, qui est ici. Alors, je pourrais bouger de. Je pourrais bouger de 1. Et là en allant là, je dévoile le F. Parce qu'on est à 1. Alors on a the legendary, le, legendary smell trouble. Alors Legionary »« légionnaire smell trouble. Alors Togrel »« legendary sniff at the blain bush on the ground. Alors euh, le légionnaire sent par terre near the bush. Uh, « The wist densely needled branches are stuck in the lush undergrowth. » Après, des buissons. Il uh, y a des branches avec... Euh, euh, qui sont... Qui sont, lég... qui sont pas beaucoup... En tout cas, qui, sont, qui ont pas poussé énormément. « And resist any attempt to lift the tree. » Et qui résistent toutes les, les tentatives de bouger l'arbre. Le, le, « If they were cut off or the bushes dug out... » The massive tree would be easier to move. Alors si on était capable de les couper, on serait probablement plus facile de pouvoir euh, donc examine further. Là c'est à 1. J'imagine que je peux, je peux le flipper parce que on s'entend qu'on est que je suis à 1 distance. On, on parle de F. F y est là. F y est ici. Si F est là, je suis à 1 distance. Alors, on va examiner further. Oh, OK. Hard at work. Alors, à 1 distance, ça me prend ça. Axe plus 2 succès, shovel plus 1 succès. Alors, place, place a, uh, un rond uh, on this card. And uh, there may not be more than 3 tokens on this card. Each token, this card gave plus 2 to the stability check on story card G. OK. Bon. Hey, ça, ça nous en fait des petites choses à, à vérifier et à, et à regarder, gang. Donc, je dois être à 1 distance. Fait que je suis à 1 distance. Fait que, en théorie, je peux faire ça. Et elle, elle a justement la N-axe. Alors, elle peut, si elle veut, faire une première tentative. Je rappelle que c'est mon premier mouvement. J'ai fait un. J'ai bougé de un. Donc on va faire notre première tentative. Alors, c'est un test. J'ai seulement deux dés, mais je rajoute deux succès par contre. Donc j'ai deux dés. Mais je rajoute deux succès. Attendez, là, j'ai des black torn, Mais j'ai pas de rouge là, ça, à cet endroit-là. OK. Fait que je lance ça. Alors, j'ai deux succès. J'ai un burst. Je lance un autre dé. Je pourrais faire ça, mais je vous rappelle que j'ai. Euh, donc, euh, Luna, elle a un NHAX qui permet de racheter deux succès. Donc, c'est réussi. Alors, c'est une belle réussite. Ce qui fait en sorte qu'on a euh, réussi à couper euh, donc une partie. Donc, je peux faire ça ici. Donc, on voit qu'on en met un de disponible pour l'instant. OK écrit utiliser l'item là mais j'ai rien de spécifique pour l'item, c'est juste écrit axe. Donc axe c'est une NX axe fait que ça marche. Euh, mais c'est à une distance fait que là ça c'était mon premier point de mouvement puis là pour mon deuxième point de mouvement le pire, c'est que je pourrais aller là si je voulais. Fait que je vais aller ici. On va faire ça. Puis là j'ai un extra maneuver. Mais je peux pas, parce c'est une fois par ronde que j'ai le droit de faire les. Là, euh... euh, I perform one action and one maneuver. Ok. C'est ça que je veux, je veux être sûr et certain pour ce qui est des. Euh... Moi, je pense c'est ça. Ok. Non, non, je pense que ça, ça fonctionne, mon affaire. Puis là, ben, je peux rebouger encore de deux, si je veux. Parce que là, je ne me trompe pas. Mais il y, y a des affaires que je ne comprends pas toutes à 100 Tu sais, euh, je donne un exemple ici. Ah non, ça, c'est B. Ça, c'est D. OK. OK. Parce que là, je peux aller là, puis ça va me faire apparaître... Bon, on, va, on va bouger de deux. Donc, je vais faire un là, et là, j'ai le B qui va apparaître maintenant. Alors, j'ai A, B. Oh, OK, j'aurais peut-être pas dû me rendre jusque-là finalement. Oh, OK. Alors, Venorian Skitterers. Alors, you hear the sound of rattling leaves and then of sharp feet rustling on the cobblestone. Alors on entend des petites pattes qui euh, semblent s'en venir sur la, sur la roche. Soon enough, enormous insect appears on the road and move towards you. Alors il y a des insectes qui apparaissent sur la route et qui s'en viennent dans ma direction. Uh, their mandibles snapping angrily. They are venorian skitters and they are coming your way. Alors, spawn. On voit ici flip. Ok, alors Reveal Card Number One. Alors, la Card Number One, c'est la fameuse carte que je vous disais ici, euh, qui va nous donner euh, le fameux méchant question, qui est un bleu. Et vous voyez, ça, c'est toutes les actions qu'il va, euh, qu va faire. Okay. Alors, euh, c'est le nombre de points de vie. En passant, ça, c'est le nombre de points de vie euh, par. Euh, donc, ils vont avoir 6 points de vie parce qu'on joue à trois personnages. Et là, ça par contre, euh, je dois venir le placer ici, sur, euh, sur la, la, la piste qui est là. Parce que c'est les, les méchants qui sont là. Ensuite, take a number of scatter equal to the number of discarded fate cards. Plus one. Et les fate cards, c'est ceux-là. Alors, il n'y en a pas. Fait que j'en amène seulement un, si je comprends bien. Alors, spawn des skitterers on the areas shown one per area in ascending order. Donc, j'en prends un au hasard, parce qu'ils ont des numéros en passant. Donc, on voit ici qu'il y a le numéro 5. Et là, je dois le placer, si je comprends bien, euh, je dois le placer ici. Donc, on en a un qui est là. Et les autres, ils ne, ils ne spawnent pas. Donc, on le met sur le côté, parce qu'ils ne sont pas activés le, le tour dans lequel ils arrivent. Là, c'est écrit uh, In round 1, 2, 3, when a fake card is discarded at the end of the round, spawn a skitterer on the area mark S. Alors de la ronde 1 à 3, on en fait apparaître un autre. Alien Old 3 Remove this card from Play. OK, on va spawner plein de, plein de petits ennemis. C'est pas spire. Si C'était le, le B. Et là, je dois le numéro 5. Bon, je vais lui mettre ici. Ça, c'est pour comptabiliser. Son nombre de points de vie. Et je pourrais utiliser également l'application. Alors, il a 6 points de vie, le numéro 5. Bon. Alors, ça, c'était 1. Parce que j'étais là. Je suis passé ici pour 1. J'ai fait 2. Il n'y a pas de petit symbole. Je pensais qu'il y avait un petit symbole là. Là, j'ai fait 1. Mais je ne veux pas nécessairement m'en aller trop loin parce que je voudrais couper l'arbre qui est là. Je pense que je vais aller à 2. Je vais aller ici et il y a le G que je peux dévoiler. Je vous le dis, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. Alors, on a le blocked way. Encore une fois. Alors, the Fallen tree completely obstruct your passage. Alors, malheureusement, ça bloque complètement le passage. Évidemment, on le sait. You can go around it, but Legendary and Birdie cannot. Alors, d'autres, on peut contourner, mais Legendary Birdie ne peuvent pas. The tree looks heavy, but somehow you must move it before that you may have to cut it root off. Alors, je peux faire une examination parce qu'on est à 1 de distance. Alors, a complicated job. Alors, c'est écrit ici, car you may only perform this check if there is a saw token on story card J. Alors, on peut faire un test de 12 hook and rope plus un succès. Si je success reveal story card ça et ça, remove this card from play, story card FNJ from play. OK. Bon, et euh, donc, le but, c'est d'enlever la... d'enlever... Effectivement, lui, il y a trois... C'est pour ça qu'ils ont mis lui dans, dans l'image, parce que c'est lui qui a, trois, qui a trois de force, donc, c'est intéressant, mais c'est tout. Donc, là, elle, elle a fait ces deux euh, ses deux choses. Elle n'a pas trop bougé. En même temps, je ne veux pas trop bouger, on dirait. Euh, ça fait partie. Il y a juste Thorax qui. Euh, euh, c'est sûr que là, Thorax, il euh, va falloir tu t'essaie toi aussi, man. Bon, Thorax, on. Ah non, c'est pas à lui. N'oubliez pas, on suit l'ordre. On suit l'ordre. C'est les bleus en premier. Fait que là, c'est Jonai. Bon, Jonai. Non, écoute-moi bien, Jonai. Jonai est là. Elle aussi, Jonai, elle a la hook and rope. La and rope, ça ne donne absolument aucune chance. Elle a 2D, mais ça serait niaiseux de pas essayer. À moins que Jonai. On se rentre jusque-là pour essayer de voir quest ce qui se passe, mais ça ne m'empêche pas qu'elle peut bouger de 2. Je pourrais la faire bouger de 3 en payant 1. Alors, c'est ça que. C'est ça que je vais faire. Donc, je vais prendre un, des, un, un de ces jetons pour la faire bouger de 3 dans, dans son tour. Alors, c'est ce qui fait en sorte que je vais faire 1. Je ne veux pas aller là. Parce que là, ça me fait des dégâts. Alors, je vais faire 1. Là, je suis à 1 distance. Fait que là, c'est F. Il faut, faut, que, faut que je revoie les cartes. Là, 1 distance, ça me prend quatre succès. Pour réussir. Elle a 2 dés. OK? Quatre succès et elle a 2 dés. Alors, let's go. Ça fait deux succès et je ne peux pas rien faire d'autre. Fait que c'est pas réussi. Et bye, -bye. Ça enlève combien? C'est moins 2 par jeton. Hey OK. Fait que là, j'ai fait un. J'ai fait deux. On va aller là. Là, je suis à un distance. Vous ne le voyez pas, mais je peux euh, dévoiler la carte A. J'ai tellement de cartes. Ça, ça, je pense que c'est ça qui prend le plus de place. C'est les cartes. Alors, on a le Star Lotus. J'en ai un Star Lotus d'ailleurs. Euh, Il ne faudrait pas que j'oublie ça. Alors, the forest is a maelstrom of stimuli with all the plants and animals and magic emitting their own sounds and scents. Alors, la forêt est remplie de stimuli, de plantes, d'animaux, de magie qui émettent leurs propres son et leurs propres senteurs. Behind a red kiwi tree and a glowing magput, you spot a white flower. Alors, euh, en arrière d'un arbre euh, et d'une. Euh, on voit justement une fleur blanche qui est euh, cachée in the undergrowth. Uh, it is a star lotus and it emanates a faint blush glow. Alors c'est un, un lotus blanc. Uh, perhaps indicating some magical properties. Alors quand je vais être à zéro, je vais pouvoir la flipper. Euh, mais là en théorie, je pouvais bouger de 3. Ça ça veut dire que je vais me rendre jusque là et on, je vais la mettre ici pour que la vous la voyez. Alors, on va en profiter pour la flipper. Alors, flippons-la. Alors, you cut the stem of the star lotus. It's milky sap, tinkling your finger pleasantly. The flower can be used as ill wound. Donc, on a coupé un arbre. Ben la, la plante, en fait, c'est pas un arbre. An alchemist and priest in the fifth eye can use it as an ingredient for potion and scroll. Alors, je gagne un star lotus token. Alors, qui est un magnifique jeton que je vais mettre juste ici. Je ne sais même pas si ça, si ça, ça, ça pèse de quoi. « And remove this card from play. » va, Ça va me faire plaisir d'en enlever au moins une euh, du play. Et là, ça, c'était son premier mouvement. On est toujours dans la même ronde. Hein? Et là, je me rappelle bien que je n'ai pas le droit de faire ça plus qu'une fois par ronde. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Euh, donc oui, c'est effectivement un par tour que j'ai le droit de faire. Alors pour ma deuxième, mon deuxième mouvement, je pense qu'on va bouger de 3 encore une fois. Puis on va faire. Euh, je vais faire 1, 2, 3. Je vais m'en aller ici. Et là, je suis toujours en train de regarder si je peux, je peux faire quelque chose. Mais là, pour l'instant, je pense que ça va. OK. Euh, donc, le fait c'est deux. Et là, on va y aller avec Togrel. Donc, Togrel pour sa. Euh, je pense sa première action. On va aller là. Donc je vais aller ici. Je ne sais pas pourquoi je ne vais pas là. J'aurais peut-être dû y aller. Euh, Puis ça, c'est n'importe quand pendant mon tour. Hein. Mais là, donc, je bouge de 1. Et là, je vais essayer ça ici. OK? Lui, il a quand même 3 de force. Ça prend 4 succès. Et il y a un succès automatique. OK? Un succès automatique. À cause qu'il y a la shovel. OK. OK? Alors j'ai 2-3 avec la cheval, ça fait 4, donc même pas besoin de dépenser euh, rien d'autre par rapport à ça. Alors ça nous fait un beau gros 4. Alors je peux rajouter ma, mon deuxième succès, euh, ce qui fait en sorte que je pourrais quasiment l'essayer si je voulais. Ça coûte rien d'essayer. Donc, par sa deuxième... Ah, bah, hmm. Oui, ok. Donc, lui, je peux bouger de deux. Hein? C'est bien ça. Là. Je vais juste m'assurer. Alors, once per round, on a hero's turn. The Toggle and Wagon may move up to two. OK. Fait que là, il va faire un et deux. Il va s'en aller dans cette direction-là. C'est ça. C'est ça la mission. OK. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Euh, fonctionne? Ça fonctionne correct. Donc là, pour la deuxième action, je vais me départir d'un stamina pour qu'il puisse bouger de deux. Donc, il va faire un. Il va faire deux. Et on va tester la chose. Écoutez, je ne sais pas si je vais être capable ou s'il y a une autre façon de faire. Parce que le pire, c'est qu'il y a ça ici, là. Que je me rends compte que peut-être que ça pourrait aider. Puis qu'il va peut-être falloir que j'essaie de monter. Et je vois que la seule place où je peux monter, c'est. Si je regarde ici, attendez, si je regarde là, ça c'est tout du rouge. Fait que je ne peux pas du tout aller là c'est tout du double ligne, double ligne, double ligne. Fait que c'est ici que probablement je peux monter pour me rendre jusque-là. Euh, ouais. Où oui, il y a le D qui est là? Mais le D, je l'ai-tu fait? Ah non, parce que je ne suis pas rendu. Je ne suis pas allé. Je ne suis pas encore allé, c'est vrai. On est toujours dans, dans la même ronde. OK, bon, on va essayer. Je lance 3D. Euh, le Hook'em Road. Oak, le Oak Road, c'est plus ça un succès, mais là... Ça marche pas, j'ai besoin de. Là, il faut en enlever 4. J'ai deux succès, donc j'ai besoin de huit succès. Et boy! Je pense que c'est pratiquement impossible. Ben, écoutez, ça m'en fait trois. Ok. Donc j'en ai trois. Je peux en lancer deux autres. Est-ce que je vais être. Est-ce que je vais être trois Ça fait quatre. Donc là, je vais utiliser juste ça pour me, me dire que j'ai un succès, parce que ça, c'est un succès. Là. Alors, je sais que je peux m'en lancer un autre. Écoutez, c'est malade mental. Parce que je vais finir par réussir. Euh, je ne sais pas là, ce que j'ai fait. Bon, ok. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais avoir 8 succès. J'ai-tu réussi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si j'en dépense 2. Mais voyons, c'est sûr que je vais dépenser les 2. 7, 8. Et j'avais besoin de 12. Moins 4. 8 succès. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est réussi. Mais voyons donc. Mais là, là, là je n'ai jamais lancé de même. Même à Too Many Bones, je n'ai jamais réussi à lancer ça. Alors, success, je dois révéler les cartes cercle et euh, lasange. Alors, les, les cartes cercle et lasange. Alors, je dois y aller avec ça. Cercle et lasange. Alors, on va, regarder, on va regarder ça. Alors, c'est écrit, the road is clear. Alors, you painstakingly chop the root and branches off the whist tree so it is no longer stuck. Alors, on on coupe et on déplace le fameux, euh, le fameux euh, tree, là, le, 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 la patente, l'arbre, là, là, jusqu'à temps qu'il ne soit pas bloqué. « And cut the tree. Uh, then, using the hook and rope, you drag the trunk and the heavy confier to the side of the road. » Alors, on réussit à le tasser sur le côté de la route. « The degenerate integral grunts happily, anxious to continue. » Alors, on la flip et on voit qu'on a ici un... Un élément et là je sais qu'il y a une erreur d'ailleurs il va falloir que je vous euh, que je vous explique et là c'est bien ça de hein, lasange. anges alors c'est écrit une explosion It looked like a firework but slower moving a trail of fire rises, whistling into the sky from somewhere beyond the forest alors il y a des feux d'artifice euh, qui bougent lentement alors une traînée de de feu euh, de couleur rubis qui euh, illumine le ciel Quelque part dans la forêt, and then it's the middle of the road further up, qui touche le milieu de la route. The loud explosion brings with, with its smokes, stone fragments, and the smell of burned tree Alors on a senteur e de, de fumée et tout ça. Alors on regarde avec horreur, et là qu'est-ce qui se passe ici? quand the explosion, reveal the story card carré. Any rows enemies in the area shown have been caught in the explosion. Oh, ok. Donc, Reveal Story Card, carré. Alors, on a un cratère dans la route, maintenant. Alors, c'est ça qui est ici. Alors, the stone and cement of the road erupts from the ground and the air is filled with dust and crackling a magical energy. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, grosse explosion sur le sol. Once the dust settles, une fois que la poussière s'enlève and the energy subsides, you see... The large crater that, that the explosion has left behind. On voit le grand cratère qui, qui est justement derrière. Alors, je dois placer tout ça. Bon, là, deux choses. Premièrement, où est placée cette fameuse carte-là Alors, cette carte-là, il là, faut toujours que je cherche la manière de placer la carte. Alors, si je regarde bien la manière de placer la carte. Je regarde ça. Ça va être comme ça. OK, c'est ça. Donc, il n'y avait pas personne là. Donc, il n'y a personne qui va subir de dégâts. Euh, donc, personne ne subit rien. Et on a ça ici. Mais là, ça, c'est une, une erreur. Je vais, je vais la placer quand même. Mais euh, je vais vous la montrer par la suite. Là. Euh, comment il faut que je la place? Eh hey, je pense que c'est comme ça. Euh, Qu'il faut que je la place. Hein, Boboï, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas évident. Évident, des fois, de savoir comment placer les choses. Ah, peut-être comme ça. Ouais, comme ça, OK. Donc, on va le placer comme ça. Mais là, voyez-vous, euh, <laughs> si, si, si on regarde bien comme il faut... La manière qu'ils ont, qu ont fait ça, c'est un, un petit peu raté. Il hein? euh, euh, faut regarder, là. Ouais. Allez, allez, allez. Euh, fait que là, c'est pour ça qu'il faut, qu faut aller voir malheureusement la... faut aller voir la... les ratas. Il faut se rendre compte que c'est supposé de ressembler à ça. Donc, il est supposé d'avoir. Euh, c'est de... je, pense, je pense que je pourrais la découper et la mettre dessus. Là. Mais vous comprenez que, dans le fond, ça et ça, c'est passable maintenant. Ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas avant. Parce que si vous regardez avant, il y avait deux lignes. Alors là, maintenant, c'est euh, on, peut, on peut passer dessus. Et là, Martin, là, Martin tu l'avais super bien placé. là. faut que tu le replaces. Arrête de jouer avec ça. OK Arrête de jouer avec ça. Bon. Ça ressemble, ça ressemble pas mal. Ça ressemble pas mal à ça. OK. Donc, euh, voilà. Fait qu'on est là. Et là, dites-vous, donc, c'est un, un endroit qui se passe. On a réussi à enlever le. On a réussi à enlever ça. Bon, OK. Euh, J'ai fait mes deux mouvements. J'ai tout fait. Bon, là, attends. « Remove this card from play euh, ». Alors, ça, c'est enlever du jeu. Ensuite de ça, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça... Ensuite, « Remove this card and card F and G. Alors, il faut que j'enlève la carte F. OK. Donc, j'enlève la carte F avec ses petits, ses petits jetons. Et... Il Faut que j'enlève la carte J. Alors J, je ne l'ai pas lu, mais on va l'enlever quand même. Alors euh, je vais l'enlever complètement de la partie sans regarder ce qu'il y a dessus. Mais c'est ce que je pensais que ça allait probablement m'aider. Mais là j'ai été vraiment chanceux. J'ai pogné des bursts. À moins que j'ai fait une erreur là, mais je suis pas mal sûr que j'ai fait euh, tout dans les règles de l'art. Ok. Fait que là on est positionné comme ça. Lui est là. On vient de finir notre première ronde. Bon, là, j'ai un petit peu moins de cartes. Là. Fait que je vais pouvoir me finir par me replacer un peu. Euh, j'ai un petit peu moins de cartes. Et je pense que là, toutes mes actions sont faites pour tous mes personnages. OK? Excellent. On, ça n'en fait quand même pas mal de choses à faire. Alors, euh, juste pour être sûr, alors, à and Enemy Turn, il y en a pas, mais je vais quand même lui mettre lui, euh, mettre lui de, comme ça. Et. Euh, Discard a fate card. Alors, on va prendre la première carte du dessus et je vais la défausser. Vous ne la voyez pas, mais elle est défaussée pour ce qui est de la première carte. Et euh, c'est écrit qu'il faut que je spawn un autre personnage. Alors, le numéro 2, je vais le spawner ici. Et le numéro 2, on va lui mettre 6 points de vie à lui aussi. Alors, je vous rappelle que mon, mes amis n'avancent pas tant qui sent qu'il est à trois espaces. Mais là, on a un trou qui est là. Il y a plein... Donc, c'est plus difficile de passer par là. Hein. C'est ça qui est, euh, que je dois prendre comme, comme idée là, pour ce qui est des ennemis. Alors, euh, ben voilà. Ben écoutez, on a fini la première ronde de cette partie-là. C'est passé beaucoup de choses. Alors, on va maintenant y aller avec la, la, la deuxième ronde. Euh, avec toutes les actions qu'on a à faire. Il y a beaucoup de choses. Il nous reste au moins un, deux. 3, 4, 5, 6. et hey boy, ça, ça va être difficile. 7, 8, 9, 10. Mon Dieu, comment qu ils veulent qu'on finisse ça? En combien de rondes je suis posé de finir ça? Et hey boy, il va falloir que je regarde ça, mais euh, je n'ai pas l'impression euh, que je vais faire. Écoute, hein, comment je peux. Peut-être que je vais trouver d'autres choses pour euh, que ça aille plus vite, mais c'est sûr qu'il va falloir que j'aille rencontrer mes, mes petits amis dans ce coin-là. On revient dans quelques instants. Bon, ok. Euh, Allons-y. Fait que là, si on continue notre partie, euh, on va commencer par y aller avec le Select Hero Action. Bon, on, commence, on va commencer à prendre un vibe qui a euh, de la lube. Fait que. Donc, ça ici, ça ici, c'est Jonai. Alors, Jonai. Euh, Jonai. Jonai, Jonai, Jonai. Euh, c'est sûr que si je fais une manœuvre de 3, donc 1, 2, 3, je vais être trop loin pour attaquer ce tour-ci. Euh, par contre, je ne vais peut-être pas avancer trop justement parce que le but, c'est peut-être d'aller attaquer mes amis qui sont juste là, euh, qui s'en viennent tranquillement pas vite vers moi. Euh, mais... C'est parce que. Ça, ça dépend toujours de la carte d'initiative. Parce que si il m'attaquent avant moi, parce qu'habituellement, c'est rouge, bleu, vert. Fait c'est sûr qu'elle, avec un vert, elle attaquerait après. Fait que si eux autres, eux autres, ils bougent de combien? Euh, ils peuvent bouger de 2 Peut-être même de 1 Donc là, ils sont ici en passant. Fait que là, si on se rapproche un peu. Si on regarde ici, là, donc. Ici, il y a beaucoup d'éléments. Ben, en fait, il n'y a, a rien qui empêche de faire. Euh, fait que là, notre, 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 notre. Lui, il peut faire un puis deux. Aller en plein milieu qui est là. Fait que je pense qu'on va essayer pour Jenny euh, de, 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 de lui faire euh, ce qu'on appelle un Oui, oui, ouais, Martin, tu vas finir par, euh, par trouver ce que tu cherches. Ok, alors euh, un, on, va faire, on va y faire faire un True Strike. Euh, thorax, lui, euh, je pense qu'on va y faire un extra Maneuver parce qu'il ne bouge vraiment pas beaucoup. En passant, euh, j'ai comme vous pouvez voir, je suis habillé différemment. Donc il y a quelques journées qui a passé entre les deux. Je me suis rendu compte que j'ai revérifié mon, mon lancer de dés pour couper l'arbre et je me suis trompé. Ok, je me suis trompé parce que j'ai un dé qui était tombé sur cette face-ci qui, euh, que quand je l'ai mis sur euh, sur le la piste à D qui est tombée, et je l'ai fait, dans le fond, revenir sur une sur un succès, mais ce n'était pas un succès, c'était ça. Donc, j'en avais deux comme ça. Je pouvais quand même réussir, mais pour réussir, il faut que je paie deux autres euh, stamina, OK? Donc, pour être legit, là, pour être correct, là, euh, je devais payer deux stamina de plus, mais effectivement, j'ai réussi à passer au travers. Fait que lui, il va faire deux manœuvres, euh, et puis, euh, Lunara qui est ici, qui peut bouger de 2, mais qui va bouger de 3 quand même. 1, 2, 3. Il pourrait peut-être également attaquer. Fait on va faire ça ici. On va y faire faire le, le Stalwart Smite. Puis on verra qu'est-ce qui va arriver. OK. Alors, on a choisi nos actions. Reveal the Initiative Card. Alors, regardons ça ensemble pour ce qui est de la carte d'initiative. OK. Donc, on va la retourner et on va voir ici que finalement, ça va être justement les bleus qui vont commencer. Ensuite, c'est les rouges. Voyez-vous? Ensuite, ça va être le rouge, le bleu, le vert et le vert. Ça serait ça. C'est ça dans l'ordre. Fait que si on comprend très bien, euh, la première chose que vont faire les bleus, ils vont faire... Donc, c'est les bleus, qui, les ennemis bleus qui vont commencer, qui sont, euh, qui sont eux autres. Et ils vont faire l'œil qui est à moitié ouvert. Donc, l'œil qui est à moitié ouvert, si on regarde ici, c'est celui-ci. Alors, ils vont bouger de deux. Et ils vont attaquer, s'ils sont capables, avec un leg stab. Euh, mais par contre, euh, ils n'ont pas de leg stab. Là, la seule affaire que je me demande, c'est c'est quoi ça ici C'est quoi donc cette, cette, cette magnifique petite. Euh, ce magnifique petit symbole-là Où c'est -ce que je vais trouver ça la signification du symbole. J'imagine qu'on va avoir ça là-dedans. Alors, à quoi il peut bien vouloir dire le symbole rouge en dessous des cartes Attendez, probablement que si je vais. Il doit sûrement avoir. Okay, une explication de la carte à de demi. C'est le provoke value. Ok, le provoke value. J'imagine qu'on n'en aura pas nécessairement besoin pour l'instant. Donc, ils vont bouger de 2. Et là, il faut que j'y aille dans l'ordre, justement, donc dans l'ordre des numéros. Fait qu'on va y aller ici, c'est le numéro 5 et c'est le, le numéro 2. Donc lui, il va faire 1. Et là, j'ai le choix. Il peut s'en aller là ou là, mais il va s'en aller ici. OK? Donc euh, ça, c'est pour le premier mouvement. Et lui, il va faire la même chose. Donc là, il peut il, en passant, je, pourrais rentrer, je peux rentrer ici. Mais là, si je regarde, il peut faire 1, puis il peut faire 2. Donc, ils peuvent s'avancer quand même le plus possible. Mais malheureusement, pour eux autres, ils ne peuvent pas attaquer. Et c'est là que je ne suis pas sûr que moi, je vais être en mesure d'attaquer aussi. Euh, mais je ne suis pas sûr que je vais me rendre assez loin. On verra. Ensuite, on... c'est tout. Donc, il n'y a pas de bonhomme rouge. Est-ce que nous autres, on a une action rouge? Non. Est-ce qu'on a une action bleue? Oui. C'est Lunara. Euh, Lunara qui, euh, qui a, donc, si on regarde ici, là. Qui a une action bleue. Donc, euh, elle, elle est vraiment euh, donc axée sur, son, sur sa petite action bleue. Euh, donc, Lunara. Lunara, elle est ici. On a dit qu'elle allait faire. Bon, elle, on va la faire bouger. Donc, je vais payer deux stamina pour la faire bouger de trois. Okay? Fait qu'elle va faire un. Elle va faire deux. Et là, en arrivant ici, si je comprends bien. Je dois dévoiler la carte D. OK? On doit dévoiler la carte D que nous allons découvrir ensemble. Alors, la carte D qui est in The Blade Thorn Shadow. Alors, j'imagine que Ça ressemble un petit peu effectivement à la fleur, euh, à la fleur qui est juste ici. Là. Si, on, si on la regarde là, euh, bien comme il faut. C'est pour ça que je vous dis qu'un des éléments que j'aime beaucoup du jeu. C'est euh, cet aspect-là. OK? Donc, si vous regardez la fleur qui est là, ça ressemble un petit peu également à ce que vous voyez là. Fait que c'est ça que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est de voir cette connexion thématique entre. Euh, donc, c'est vraiment ce que voit le, le personnage présentement. Alors, in the blade thorn Shadow, alors, the cliff is lower here. Alors, le. le. le, le, le cliff. <laughs> Des fois, j'ai de la misère avec la, la, la traduction simultanée. Euh, c'est quoi un cliff C'est un. c'est un. Hein? Il y en, a... en tout cas, vous avez compris un petit peu le concept du cliff Encore, le, le, le cliff, il n'est il est pas très haut ici. And there's a huge blade thorn bush growing in the cliff above you. Alors, il y a un gros donc buisson blade thorn. Qui euh, donc euh, qui pousse à cet endroit-ci, juste au-dessus. It's large, spiky leaves almost reach the road. Alors, ces feuilles qui sont donc pointues euh, se rendent presque jusqu'à la route. Alors, lorsqu'on est à zéro ici, on flippe. Alors on va la flipper. Et là, on voit que, oh, c'est regardez, a blade-thorn Ladder c'est ce qui fait en sorte que je vais pouvoir moi. Do you, realize you might try to use a blade thorn leaves as a ladder of sorts alors on peut utiliser les feuilles pour comme comme un genre d'échelle but you would have to be very careful lest the sharp edge hurt you while climbing alors, il faut faire très attention parce que on pourrait euh, se, se blesser euh, en touchant donc le, le, le les rochers très coupants OK pendant qu'on qu pendant qu'on grimpe. Alors, you may spend one movement point. Alors, je peux faire un point de mouvement en étant à zéro euh, de ce lieu-là pour euh, me faire... Donc, faire un test d'agilité 4. Si je le hook, hook and rope, on rajoute deux succès. Si je, je réussis, je, je move from one D to the other D. <laughs> OK. Alors, c'est quand même cool. Euh, mais je n'ai plus vraiment besoin d'y aller. Je vous dirais que ça aurait été cool, justement, je pense... Dans la période où si j'avais eu besoin d'aller couper. Euh, donc, d'aller couper l'arbre qui est juste ici, là, euh, ça aurait été quand même, je pense, très bon. Alors là, ça c'était mon, mon euh, premier mouvement. Et là, la problématique, malheureusement, c'est que euh, je suis trop loin des ennemis, je ne peux pas les attaquer. Je n'ai pas d'armes à distance. Euh, donc, ce que je fais dans, dans le fond euh, pour, pour, pour ceci, justement, c'est que je vais prendre mon jeton et je vais le tourner de côté. Et là, je peux décider d'avancer de 1 ou de me redonner un stamina. Hum. Ouais, ok. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que si j'avance de d'un, ils vont probablement pouvoir m'attaquer au prochain tour. Euh, C'est ça que je comprends. Donc, je pense que je vais me prendre un stamina. Donc, je vais me redonner un stamina. C'est ça que je vais faire. OK. Fait que là, euh, Lunara, elle, elle a joué. Euh, là, ensuite de ça, euh, si on continue dans l'ordre de l'initiative, on s'en va vers les verts. Et là, j'ai le choix pour les deux. Alors, je vais faire avancer thorax. Et je pense qu'on va utiliser, donc, un, un petit, euh, ça, là. <laughs> Alors, un, un euh, ah, mon Dieu, hey, je reviens d'une journée de travail, puis je me rends compte que je suis fatigué. C'est pas, comment, c'est une stamina. Bon, voilà. Alors, il peut avancer de deux. Alors, il va faire un, il va faire deux. OK, aucun problème. Pendant son tour, lui, je peux le bouger de deux espaces. Alors, 1 et 2. Il va se rendre jusque-là parce que c'est comme ça que ça marche. Et pour sa deuxième, il peut faire un extra maneuver. Et je pense qu'on va. Je ne prendrai pas de stamina et je vais l'avancer de 1 jusqu'ici. Là, je me rends compte que j'avais le C qui était là aussi. Euh, parce que le B, c'est déjà fait. Hein? Donc, j'ai oublié de, de dévoiler le C. Alors on va le dévoiler tout de suite. On va voir qu'est-ce qui arrive. Alors c'est un blind cap mushroom, hein? un blind cap mushroom, blind cap mushroom. A magnificent magnut tree glows with a magical light. Alors un magnifique arbre magnut qui brille d'une lumière magique. And underneath it, you spot a purple mushroom with a flower growing in its cap. Alors, euh, et ce qu'on re, remarque en dessous, il y a un champignon mauve avec une fleur qui, euh, qui pousse sur son cap et tasse de sweet smell of rotten fruit. Alors, ça a le, la magnifique senteur d'un fruit qui est passé date, on pourrait dire, qui est pourri. And seems to attract its chairs of insects et semble attirer euh, des insectes. Alors, je peux prendre le mushroom chez, si je veux, euh, si je me rends à zéro. Ouais, ok. Ben là, je commence à manquer encore une fois de place. Euh, donc là, lui il a fait 1, 2, j'ai fait 1, mais il faudrait que je me rende là hein, pour que... Euh, ouais, c'est ça. Il faudrait que je me rende assez. Il euh, faudrait que je sois dans la... On verra si je le fais. Euh, et là, c'est au tour de Jonai. Alors Jonai, euh, dans son mouvement de 3, 1, 2, 3, Elle peut tirer à distance jusqu'à 2. Fait que sans être obligé. OK, je pense qu'on va, on va le faire. Donc, pour son action de mouvement, elle va bouger de 2 sans utiliser de stamina. Donc, elle va faire 1 et elle va faire 2. Et pour sa deuxième action, ben oui, imaginez-vous donc, elle peut, euh, si on regarde sur son affaire, elle peut tirer. Euh, donc, son, son hook qui est ici. Alors, son hook, si vous regardez, son hook and row, euh, elle peut tirer de 1 à 2 à distance. Mais sur son true strike, c'est écrit plus 1D. Euh, et euh, donc, euh, OK, mais c'est quoi que j'utilise? Là, c'est la première fois que je fais une attaque. C'est écrit plus un D. Euh, donc, je, je rajoute un D, mais c'est avec quelle statistique que je fais attaquer? <laughs> Est-ce que c'est avec la statistique de main? J'imagine que ça doit être ça. Je ne suis, suis pas assez certain, là, fait que je, vais, je vais aller faire une petite vérification, je vous reviens. Ok, c'est relativement simple, dans le fond, c'est que je lance un D et euh, c'est euh, le nombre de succès supplémentaires que je fais, plus les succès ou les, les modificateurs qu'il y a sur l'arme. Et on voit que sur l'arme, il y a présentement un moins 1 en modificateur. Donc, je lance un D plus 1. Et il faut que j'aie le line of sight en passant, donc pour avoir... Le line of sight, il faut que je sois capable de, 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 de faire une. de, de, de dresser, de, ben pas de dresser, mais de. de, de, de j'ai juste le mot tirer en tête, mais c'est pas tirer, j'ai l'habitude ce soir, Colin Martin. Réveil, euh, de hum, dessiner, dans le fond, une ligne euh, entre l'endroit et le lieu, euh, donc d'une section euh, de la ligne blanche vers la section de la ligne blanche. Donc on s'entend qu'il a. Le line of sight euh, assez facilement, il n'y a rien pour, pour bloquer son line of sight. Donc c'est un D, c'est bon. Alors euh, voilà, c'est ce qui fait en sorte que je peux euh, maintenant faire une, une petite tentative. Euh, et ce que je comprends là, en lisant les instructions, c'est il y a pas euh, semble pas avoir de bouclier, donc euh, ça veut dire que je, je, je lance les, euh, les dés, le dé, on verra combien de dégâts. Que je vais faire sur celui-là. Okay, parce que là, évidemment, ça risque. Oh mon Dieu, OK, c'est pas pire. C'est pas pire. Deux 2 euh, plus 1, ça fait trois, euh, trois magnifiques dégâts. Alors, euh, on va l'accepter. Euh, on, va, on va même, je vous dirais, très, 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 très bien l'accepter. Alors, bon, attendez. <laughs> Seigneur. OK. On va. On va finir par l'avant. Fait que là, ça, c'est le, le numéro 5. Puis là, j'arrête pas de défaire, Seigneur. Je, je peux-tu peux arrêter de défaire mes affaires ce soir, ce broche à foin? Puis pourtant, je, je, ça fait deux jours que je rêve de continuer ma, ma partie. Alors, euh, j'ai dit que c'était le numéro 2. Alors, le numéro 2, je lui ai fait trois dégâts. Ça veut dire qu'il lui reste 3 points de vie. Alors, c'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. Fait que là, elle a fait sa manœuvre et elle a, elle a tiré. Et euh, c'est ce qui fait en sorte qu'on a, on a, on a fait toutes nos, euh, toutes nos actions. Ce qui, va, ce qui va quand même, je pense, aller relativement vite, éventuellement. Alors, euh, on est rendu maintenant dans la phase du Discard Fate. Alors, je vais défausser notre Fate card, mais évidemment, on euh, ne on on, on va pas nécessairement. On ne regarde pas le, le chiffre qu'il y a dessus. Mais là, je dois. En me basant ici, donc, euh, in round 1, 2, 3, when a fate card is discarded at the end of the round, spawn a skitterer on the area mark S. Alors, je dois en prendre un autre et je dois le faire apparaître dans l'endroit mark S qui est ici, dans le fond, sur, euh, sur, la, la, sur la, le petit dessin qui est là. OK, fait qu'on a réussi discard fate card et on arrive donc à la fin. Et, euh, et on est prêt à commencer une nouvelle ronde de jeu. On continue d'avancer. Et là, je pense qu'il va falloir euh, s'occuper euh, des méchants. Là. Euh, faut, je pense pour qu'on qu puisse euh, se rendre le plus vite possible là, à la finale. Bon, OK. Donc là, je pense que, euh, oui, il faut euh, faut, que, faut y aller. OK. Euh, on n'a pas bien ben, choix. Là. Euh, faut que... Bon, on va commencer par Thorax. Alors, c'est sûr que Thorax va continuer à essayer de faire, euh, de faire euh, son attaque. Ensuite, si on regarde Junai. Euh, Junai, qui, elle, euh, se trouve pas. Je pense qu'on n'a pas même le choix de faire des attaques. Euh, malheureusement, elle n'a pas, pas une arme superbe, mais euh, on, là, il faut, faut se débarrasser des, des, des monstres. Et pour ce qui est de. Ben, attendez, je sais pas. Je suis pas sûr. Je vais revenir sur Thorax parce que est-ce que je devrais plutôt aller faire chercher les fameux mushrooms? Euh, où est-ce que je devrais pas aller là? Hein, parce qu'on a, a toujours euh, ça ici que je pourrais aller chercher. Qui est juste au-dessus sans problème. Euh, je pourrais faire deux manœuvres. Ou bien Thorax qui lui aussi se bat avec une pelle. Et la pelle n'est pas super le fun. C'est sûr et certain qu'il faut que. Je fasse attaquer deux personnes. Fait que là, Lunara, elle, euh, qui attaque avec une, une, une hache. On va vraiment la faire attaquer. Je pense que je vais. Je vais changer ma vision et on va y aller avec Thorax qui va faire son, son extra maneuver. Euh, ouais. Sauf que c'est pas très rapide. C'est pas très rapide. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont, euh, qu vont nous attaquer. Mais en tout cas, je. je je ne suis pas sûr à 100%, là, mais on, on va voir si c'est ça qui va, euh, qui va se passer. Donc, euh, on arrive maintenant dans, euh, pour la carte d'initiative. Ici, on regarde comme il faut. Alors, c'est les monstres rouges qui attaquent en premier, suivis par les joueurs rouges. Les monstres bleus qui vont faire euh, une seule chose qui est, euh, dans le fond, encore une fois, c'est la, la même chose. OK, c'est la même affaire. Donc, on, on y va toujours dans l'ordre des numéros. Alors, ça c'est 8, ça c'est 2. Et ça, c'est 5. En passant, c'est le 5 qui, qui subit. Euh, donc, il est à 3 dégâts plutôt. C'est lui qui reste 3 points de vie. Juste pour être sûr. Là. Euh, donc. Encore une fois, il, a, il, a, il bouge de 2. Fait qu'il va faire 1, il va faire 2. Alors, il est là. Et là, l'histoire me semble dit que pour attaquer en mêlée, c'est. Sûr, ça, c'est une des règles les plus bizarres que j'ai vues à date dans le jeu. C'est si je veux, il y a quatre places. Donc, pour être en mêlée, ils vont attaquer en mêlée. Par contre, s'il n'y a plus de place à l'intérieur, ils vont quand même rester sur la case d'avant, mais ils vont pouvoir attaquer. C'est ça que j'ai compris euh, un petit peu quand j'ai regardé ce qui va arriver dans les... Euh, dans les attaques des ennemis. Puis c'est écrit euh, bon, euh, que les skitterers peuvent seulement attaquer en melee. A melee attack may only be performed against a hero in the same area as the attacking enemy, or against a hero in an adjacent area to an attacking enemy if that area is at maximum capacity. Donc ça veut dire que lui, là, ne peut pas l'attaquer parce qu'on n'est pas à capacité maximum. Lui, par contre, il va pouvoir avancer de 1 et 2. Et là, on va avoir notre première attaque. Alors, comment ça fonctionne les attaques C'est que lui, il va faire un leg stab, donc il va attaquer mes, euh, mes jambes. Et euh, il me fait deux dégâts, mais que je peux donc mitiger en utilisant ma statistique. Fait que là, il attaque Jonai. Et Jonai, dans sa statistique, elle a deux d'agilité. Alors, je dois prendre pour cette fois-ci, euh, je dois prendre le dé bleu. OK Alors, on va prendre deux dés bleus parce que c'est ça. Et donc c'est deux dégâts moins ce qu'il va avoir ici. Alors deux dégâts moins un. Donc ça, ça veut dire que euh, je subis mon premier dégât. Et comment on fait pour subir euh, des dégâts dans ce jeu-là Ben c'est pas trop compliqué. On va aller sur le bon personnage. Alors je dois prendre. Donc c'est Jonair a subi un dégât. Je prends un des Stabina. Je le tourne de côté. Ok et je le mets par dessus. Donc ça, c'est une, une blessure que je ne peux pas ramener avec le, le concept des stamina, mais que je peux par contre ramener avec le recover qui est ici. Okay? Alors, euh, c'est un, euh, un petit peu comme ça que, euh, que ça fonctionne. Alors, déjà, un dégât, et lui, il va avancer de 1, puis il va avancer de 2. OK. Donc, les, les petites débites qui avancent tranquillement pas vite. Euh, là, après ça, c'est moi qui est en bleu. Alors, ça veut dire que c'est Lunara. Lunara qui est juste ici. Euh, qui pourrait aller... On, on pourrait essayer de terminer. Euh, ouais, Lunara, elle, elle va faire sa, sa, son, man, sa, son mouvement. Sauf que pour faire une autre action, il faut finir l'action. Okay, on n'a pas le choix. Donc, si je fais le mouvement de Lunara, elle va aller ici. Elle va aller s'installer là. Et elle va utiliser son NX. Donc, il n'y a pas de bonus positif ou négatif. Mais euh, elle va lancer deux dés rouges pour euh, s'attaquer aux, euh, aux méchants qui sont juste là. Alors, euh, allons-y, deux dés rouges. J'ai besoin, dans le fond, c'est vraiment le numéro 5. Alors, j'ai besoin de trois dégâts. Oh, et c'est exactement ce que nous avons. Alors, c'est terminé pour celui-là. On vient de l'éliminer. Hein, c'est pas le fun. Bon, là, je pense que je vais laisser ça là pour l'instant. Euh, fait que ça, c'est euh, Jonnaille qui a fait ses. Euh, non, c'est pas Jonnaill, c'est Lunara. Lunara. Donc, euh, elle a fait son, son mouvement, c'est bon. Euh, là, ensuite, c'est les verts. Donc là, j'ai le choix de Jonah. Euh, je pense que je vais commencer par 1, 2, 3. OK. Parce que lui, lui il ne veut pas bouger s'il y a un monstre qui est à trois. Pis ça 1 2 3 là c'est bien écrit euh, The the and wagon may not move closer to an enemy if that enemy is already within 3 range ou, within range 3 donc and wagon may not move closer to an enemy that enemy is within range 3 donc à l'intérieur de range 3 qu'il veut pas il veut pas avancer Ça ça veut-tu dire que là, il est à 1, lui il est à range 1, range 2, range 3. Fait que si je comprends la manière qui est supposée de fonctionner, bon, encore une fois, j'ai déplacé ça, il ne faudrait pas que je le déplace. Ok, fait que là, lui, il est là. là. Okay. Bon, hein? Martin, place, place ça comme il faut. Bon, fait que lui, il est là, fait que dans le fond, il peut juste bouger de 1. Ok, fait que je devrais peut-être attendre parce que tout d'un coup que je réussis à y faire 6 dégâts je vais plutôt euh, on va plutôt faire avancer John, euh, John okay, que je, pour, je, pourrais, je pourrais utiliser mon hook and rope d'où je suis il n'y a pas de désavantage ou d'avantage, peu importe si j'utilise mon hook and rope euh, c'est juste que je pourrais m'éviter de me faire attaquer fait que elle, elle va utiliser tout de suite son rock and rope et elle va lancer un dé et on va rajouter un succès. Parce que c'est plus 2, moins 2. OK. Fait que là, elle n'a pas fait son mouvement. Elle n'a pas fait son manoeuvre encore. Donc on va voir. Ah, alors, c'est un burst. Ça, c'est très bon. Fait que ça fait un succès. Et là, je peux dépenser, si je veux, jusqu'à deux succès. Donc, ça me ferait. Donc si, euh, si je reviens ici, là, ça me ferait un succès, 2 succès et 3 succès. Plus 1, ça m'en ferait 4. Donc ça serait un beau gros 4 points de dégâts. Et hein, en passant, j'ai oublié, euh, mais le numéro 8, je dois y donner 6... Euh, C'est bien ça, 6 hein? oui. points de vie. Donc le numéro 2 subirait 4 dégâts. Il en reste 2. Oh, ça, ça change un peu la donne. Ça, ça, ça change la donne, mais pas, pas tant que ça. C'était quand même bien. Là. OK. <laughs> J'ai de la misère avec les cartes. Euh, mais là, elle n'a pas fait sa manœuvre. Son, elle n'a pas, pas fait, dans le fond. Là, elle a fait son True Strike. Je pense que je vais lui faire faire un. Je vais lui faire faire un recover. Okay, on, donc, je vais redonner deux stamina. C'est ça qu'elle qu va faire. OK. Puis là, il va rester notre ami Thorax. Alors, Thorax. Euh... Je ne peux pas le faire attaquer. Parce que c'est ce que j'ai choisi de faire. OK, donc, je pense que je n'ai pas le choix. Je vais le faire bouger de 1 ici. Et on va aller flipper. Je ne sais pas hein, si c'était une bonne chose d'aller là puis de flipper. Mais on va voir. Alors, The Mushroom Pict. Alors, you pick the blight cap mushroom and put it in your pouch. Alors, on, on prend le, le champignon, on le met dans notre sac. Ingesting it will reinvigorate you. But dried, it is good ingredient for potion. Alors, ça peut être, on peut probablement le vendre. Euh, on va aller chercher ce, ce magnifique petit jeton-là. Alors, vous voyez que c'est ça que je suis allé chercher. Et ça nous permet de, si on le défausse, d'avoir euh, deux stamina. Game of Black Cap Token. Remove this card from play. On enlève. Et... Et je pense... Ici, on a, on a un, beau, un, un beau cas juste là. là. je suis en train de me demander si on ne devrait pas aller faire un beau petit tour là-bas. Sauf que c'est quoi? Sauf que si je vais là... Euh, si je vais là, il y a, Je me fais faire deux dégâts. Mais que je peux mitiger. Est-ce que je pourrais dépenser un stamina pour qu'il puisse avancer de deux Est-ce que ça en vaut la peine hum, tout, vaut, tout vaut la peine dans la vie, mais ça doit être encore une. Ah, on va... ah je ne sais pas. Je veux pas perdre trop de temps. Je pense que je vais prendre mon stamina, puis je vais avancer de 1 et de 2 donc on va s'en aller dans ce coin là et là lui je peux malheureusement l'avancer que de 1 parce que il est à 1, il est à 2 il est à 3 ok, fait que si je comprends sa restriction alors the Togrel and wagon may not move closer to an enemy if that enemy is already within 3 range donc, il ne peut pas avancer si cet ennemi est déjà à l'intérieur de trois ranges. Donc, ça veut-tu dire que je pourrais avancer de deux On va jouer thématiquement avec l'idée qu'il a peur. Donc, là, il voit les ennemis, il les sent. Là, présentement, il ne va pas avancer. C'est ça que je comprends. Il ne va pas avancer tant que lui, on ne l'éliminera pas ou tant qu'on ne va pas aller le calmer parce qu'on a aussi la possibilité d'aller calmer le Togrel. Mais on peut, je pense, facilement éliminer les, les ennemis qui sont là. Euh, OK. Bon. Ben, euh, tout le monde a joué. Tout le monde a fait ses, euh, ses mouvements. Alors, on va défausser un autre fake card. Et pour la dernière fois de ce... Euh, pour cette ronde-là, je vais, de façon au hasard, complètement euh, prendre celle-là. Donc, c'est le numéro 3 qu'on va faire apparaître ici. Et là, il n'y en a plus après ça. C'est écrit « At the end of round 3, remove this card from play ». Et on est à la fin de la round 3. Parce que regardez ici, on vient d'enlever de, la troisième carte de fête. Alors, je ne ferai plus de spawn à partir de maintenant. Il va falloir que je m'en occupe. Mais n'oubliez pas que le but, c'est d'aller le plus rapidement possible. Mais... J'ai Boboy, attendez, là. Parce que. Bon, là, vous allez m'aider. Ben, m'aider. Ça serait plus fun si vous étiez en mesure de me parler. Parce que si vous regardez comme il faut, ici, quand je suis à deux de distance, je suis pas osé de dévoiler ça. Mais non. Non, effectivement. Ça marche pas. Donc, lui, il n'est pas à deux distances. Il est à 1, 2, 3. Fait qu'il va falloir que quelqu'un embarque ici pour qu'on puisse... Euh, qu'on puisse dévoiler ce qu'il y a dans le N qui est juste là. Bon. OK. On y va. C'est la prochaine ronde. Hum. Ben, C'est de l'attaque. Je pense qu'on va y aller. Euh, on va y aller gaiement. Donc tout le monde va attaquer. Donc tout le monde va être. presque tout le monde va être dans le bleu. On va aller essayer d'éliminer euh, les méchants euh, qui sont là. On va aller chercher la carte d'initiative. Alors, là, ils vont faire un grand œil ouvert. Fait que là, ils vont attaquer pour 3, mais ils bougent seulement de 1 par contre. Alors, justement, c'est à eux autres. Donc, il va toujours dans l'ordre 1. Donc, là, il a le choix d'aller là, là ou là. Il va aller attaquer celui qui a le plus de tente. Et celui qui a le plus de tentes, euh, c'est notre ami Thorax. Alors, lui, il va s'en aller là. Euh, et il va l'attaquer pour 3 dégâts. Donc euh, c'est quand même beaucoup. 3. Euh, mais Thorax, euh, c'est avec quoi qu'il peut mitiger? C'est avec le. Donc il peut lancer 3D. Donc c'est avec la force. qu'il peut essayer de, de mitiger son, son coup. Alors, ben voilà, il n'y a pas de dégâts. C'est euh, 3 succès. Alors, 3 dégâts, 3 succès, on oublie ça. Tarax subit euh, très bien la chose. Euh, on a notre ami euh, numéro 3 qui va avancer que d'un seul espace. Et on a notre ami numéro 2 qui lui va aller s'installer ici, tout simplement. Bon. Et là, il ne faut pas oublier que notre ami numéro 3, lui aussi, a 16 points de vie. Euh, C'est comme ça. OK. Euh, c'est maintenant rendu autour des euh, joueurs bleus. Donc là, j'ai le choix de Thorax ou Lunara. Ben, Thorax, il est euh, déjà avec, euh, avec un ennemi. Donc, on va lui faire faire son action. Pourquoi pas Alors, son action, c'est le Raging Smash. C'est 2D rouge, mais il y a moins un succès parce qu'il se bat avec un, une pelle. OK. Bon, ben, ça fait. 3 dégâts moins 1, ça fait 2 dégâts. Et le numéro 2, il lui restait 2 dégâts. C'est-tu pas le fun, ça C'est-tu pas le fun Donc, éliminer, terminer, 2 dégâts. Donc, il n'en reste plus. Ok, fait que là, il reste un mouvement. C'est soit je vais en arrière, ou pas. J'avoue que là, je regarde et je me dis. Les couleurs ressemblent pas mal aux couleurs du, euh, de mes personnages. Euh, si j'avance de 1 dans cette direction-là, ah, écoutez, je suis, trop, je suis trop curieux. Fait que pour sa, sa manœuvre, on va aller l'envoyer là ici. On va aller euh, lui faire vérifier ce qu'il y a en cas. OK. Alors, voici, euh, ouais, si on a le cas. Alors, c'est écrit de Scared Woodcutter. Ouh. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Alors, woodcutter is crouching under the trees. Alors, il y a un coupeur de bois qui est euh, accroupi en dessous de l'arbre, trying to hide, qui essaie de se cacher. Et whimpers as he sees you. Alors, il il parle tout bas alors qu'il vous voit, eyes wide with shock, il, avec les yeux ouverts avec vraiment le très euh, il est très impressionné, pas impressionné mais il, il est apeuré disons. Il keeps praying to the stars to protect him alors il prie aux étoiles de le protéger. As is the burnamite way alors c'est la façon des Burnhamite. The great axe in his hands seems to be to be of little use to him at the moment. Alors j'ai besoin de ton euh, j'ai besoin de ta hache et pour ça j'ai besoin de faire un test de mental de 6 et de me faire donc succès. Je flippe. Si je rate mon coup, je peux défausser 3 euh, argent pour pouvoir la flipper. Mais j'en ai, ai pas. Mais donc, euh, donc je peux quand même le tester. Je vous rappelle que dans le jeu là, tester ça coûte pas grand chose. J'ai besoin quand même de 6 succès. Et, et lui, sa statistique c'est 2. Pour ce qui est de, 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 du, du spirit. Là. Alors, j'ai besoin de 6 succès. Ah ben écoutez, j'en ai 3. <laughs> j'en ai 3. J'en ai 4. Ah là, c'est pas moi, là. J'en ai 3. J'en ai 4. J'en ai 6! Mais voyons donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un succès. Je n'ai jamais lancé comme ça. Même dans Too Many Bones. Wow, j'ai besoin de ta hache. Le gars, il est apeuré. Il est probablement qui qu regarde Thorax. Je vous rappelle que Thorax c'est quelqu'un qui est fait comme en pierre. Et on flippe Et on a ici The Woodcutter's Story. Alors, demain, Enzu is axe with trembling hands. Oh, ça fait pitié. Alors, l'homme nous tend sa son, son hache avec des mains tremblantes. On this day the stars shine not upon me. Alors, à ce jour, les étoiles ne brillent pas pour moi. Il says, I was chopping wood when I saw a sorcerer flying on a magical disc. » Alors je coupais du bois lorsque j'ai vu un, un, une sorcière ou un sorcier euh, donc voler sur un disque magique. He was a nitigry nobleman, but his face and body were twisted and scary. Alors il, il était un, un noble nitigry mais sa face et son corps étaient tout twisté, c'était très épérant. Euh, like from a nightmare comme dans un cauchemar. Il planted some strange device in the ground, alors il a mis plein de drôles de dispositifs dans le sol. One where the tree fell on the road, un où le l'arbre est tombé sur la sur le sol. One where the tree fell on the road and another one over on that hill nearby, et un autre au-dessus du hill tout proche. Hmm. He was followed by a an Ignizor and that's when the lights started flashing. Alors il était accompagné d'un Ignizor et c'est lorsque les lumières ont commencé à flasher. Please hurt not me, Alors, hurt me not. Please, s'il vous plaît, ne me faites pas mal. Alors je gagne la litème carte la numéro 8, la Great Axe, and remove this card from play. Mais là. Est-ce que ça, ça veut dire? Donc, où l'arbre est tombé, il a planté quelque chose. Et. Uh, another over on that hill nearby. Et un autre proche du hill nearby. Alors, est-ce que c'est là qu'il faudrait pas que je me rende? C'est mon impression. Ça, ça semble être encore un mushroom. Euh, ça, on ne sait pas encore. là, On va le savoir euh, euh, très bientôt. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire que je gagne quand même une belle carte. Alors, je vais aller la chercher tout de suite. Bon, alors, euh, voilà ce que je viens de gagner ici. Vous voyez que c'est un Great Axe euh, qui, euh, euh, donc, qui doit être justement donc le euh, plus 1 qui est ici. Donc, euh, qui, qui, qui est un petit peu mieux que l'autre axe que j'ai gagné. Donc, en passant, j'ai le droit, une fois pendant la, la partie, de faire un, un changement, étant donné qu'il y a deux mains. Donc, pas une fois pendant la partie, une fois pendant mon tour, j'ai le droit de faire un changement. Si je veux en faire un autre, gratuitement, je dois payer un point de mouvement. Donc là, je viens de mettre justement la Great Axe euh, dans, mon, dans mon inventaire qui va me donner maintenant plus un. Et ça, c'était euh, les deux euh, actions de mon ami Thorax, euh, qui est quand même bien fait. Mais en passant, j'ai oublié à mettre Thorax en allant là. Euh, je me fais deux dégâts. Ben, j'ai je, je une possibilité de deux dégâts. Parce qu'il est arrivé dans un endroit avec des épines. Donc, euh, malgré, euh, malgré la, 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 ce qu'il est fait, donc lui. En passant, sa statistique, c'est pour l'agilité, c'est 1. Donc, il se fait 1 dégât. En fait, 2 dégâts, moins 1, il va s'en faire un dégât. Donc, je dois prendre un de ces des chips et de le mettre de l'autre côté, comme ça. C'est un dégât qui vient de se faire. Il ne fallait pas que j'oublie ça. Malheureusement, il s'est fait mal. Bon, alors, dans les bleus, maintenant, c'est au tour de Lunara. Euh, Lunala qui va aller faire un petit tour pour aller attaquer le méchant euh, avec sa N-axe. C'est le numéro 8. Alors on va faire 1 et oh boy, ok. La problématique ici là c'est qu'il peut juste en avoir un. Donc est-ce que je peux l'attaquer Est-ce que c'est est -ce est la même idée que... En théorie, je ne peux pas aller là parce que un, il y a juste un point. Donc, on ne peut pas être deux. Mais est-ce que je peux quand même l'attaquer? Il me semble que c'est une des. Euh, une des spécificités, je pense, quand on fait une attaque. Donc, c'est qui. There is an enemy in the same area as Your Hero or in an adjacent area to your hero that is at maximum capacity. Donc, il est à maximum capacité. Lui il est là. Parce qu'il est à maximum de capacité, je peux l'attaquer euh, quand même. C'est une drôle de règle, je dois vous avouer. J'ai comme l'impression que c'est une règle qui ont été obligés de mettre un peu par dépit. Euh, pff, mais bon, on va l'accepter quand même. Donc, 2 deux, euh, d deux Et c'est tout. Alors, c'est vraiment tout. Il n'y a pas d'autre chose. Euh, oh là là. Je pourrais faire jusqu'à 4 dégâts. Si j'enlève... Euh, parce qu'il faut, il faut quand même dire que notre amie ici, elle a quand même. Euh, tu sais, je pourrais en enlever 4, là. Avec les deux. Donc, si j'en enlève 4, ça, ça, ça fait un grand total de 4 dégâts. Fait que je pense que c'est ça qu'on va faire. Donc, c'est le numéro 8. Il en reste 2. Donc, deux points de vie. Euh. Puis le deuxième, c'est une manœuvre. Donc, je pense que pour la manœuvre, euh, est-ce qu'on peut faire... Est-ce que, est que je peux faire un recover? Ça, c'est un, une règle que j'ai en tête que je suis plus sûr. Quand j'essaie de faire le recover avec des ennemis, il me semble qu'il y, qu y a quelque chose que j'oublie. là. Que, que je vais aller voir. Ok, donc je, je me posais justement la question. Puis la question, c'était... Il me semblait qu'il y, y avait un élément qui, qui pouvait mener à un genre de... de, 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 de problème.. Pas de problématique, mais de, de malus. Et effectivement, c'est quand on est encombré, donc hindered ou, ou bloqué, si on pourrait dire. Alors, s'il y a au moins autant d'ennemis que d'alliés de, de, dans, un, dans, dans, dans un, une zone... Euh, Bien, toutes les Active Ability Check qu'on a sur les différentes cartes, c'est moins un succès. Euh, toutes les Recover, les Heal Maneuvers, c'est réduit par un et je ne peux pas prendre, donner ou recevoir des items. Alors, il faut que j'aie ça en tête parce que là, euh, ce que je me posais comme question, c'était euh, pour ce qui est de l'IANA. Mais l'IANA, elle est ici. Alors, euh, elle n'est pas dans la même zone que, que l'autre. Alors, je peux facilement faire mon 3. Donc, de me reprendre 3 stamina et de les ramener là. Et voilà. Alors c'est au tour de Jonai, maintenant qui, euh, malgré que là je vous dis ça, puis j'avais tu fait ma manœuvre. Est-ce que j'avais bougé d'un avant de l'attaquer? Je pense que j'avais bougé. Fait que si c'est le cas, je peux pas, je peux pas me redonner trois, euh, je peux pas me redonner trois stamina parce que je pense, je pense pas qu'elle était déjà placée là. Je pense qu'elle était à la même place que Jonai. Puis je l'ai faite avancer. Donc, j'ai fait ma manœuvre. Après ça, j'ai fait mon attaque. Ça sent la reprise vidéo. Bo Boy! Alors, j'aurais dû effectivement me faire confiance. Fait que je ne peux pas faire ce, ce, ce manœuvre parce que l'avait déjà fait. Parce que ça va être pas mal la même chose pour Jonai. Euh, donc, John I qui va. Avancer de 1 ici pour faire sa manœuvre, Marie-Jonai pourrait attaquer à, euh, attaquer à distance. Sauf que là, lorsque attaque à distance ici, euh, étant donné qu'il y a une figurine, euh, c'est écrit Enemy in your area or ally or enemy in target's area or area that line of sight pass through. Or ally or enemy in wine. Euh, ouais. donc là j'ai l'impression que si je décide d'attaquer avec mon hook and rope, parce que ça passe à travers de ça ici, euh, et que j'ai un de mes personnages qui est là. Euh, ça c'est la page 17. C'est quand même bien fait parce que c'est bien écrit. Euh... Fait que c'est écrit. Euh... Hum, c'est où que c'est écrit C'est des, des problèmes par rapport à. Um... You have an active range attack. OK. There's an enemy within the range shown way. Damage. OK. obstructing, OK, okay. c'est écrit ici. Alors, reduce your allies' range or magic attack damage by one if there are any. Enemies in the same area as your allies, donc est-ce qu'il y a un ennemi dans la même place que moi pour tirer à distance, non. Enemies or allies in the same area as the enemy being attacked, est-ce qu'il y a dans la même zone euh, donc, un autre ennemi ou allié, non. Euh, est-ce qu'il y a des allies or enemies in any area the line of sight pass through, oui. Donc là en faisant ça, je devrais m'enlever euh, reduce your allies' range or magic attack damage by one. Alors, ce serait de moins 1, peu importe le nombre euh, d'éléments, je, je, je l'enlève seulement une fois. Mais pourquoi je voudrais faire ça, dans le fond C'est ça que je me pose comme question. Mais juste pour vous dire, par contre, encore une fois, c'est sûr que tout, tout se passe un peu en même temps. C'est quand je suis arrivé ici, j'ai oublié qu'il fallait que je vérifie le N. Peut-être que ça aurait changé des choses c'est le fameux trou, alors un impassable crater. Alors c'est bien écrit un impassable crater. Alors the magical explosion crack a smoldering crater in the middle of the road. Alors cette explosion magique a littéralement ouvert un cratère au milieu de la route. You hear legendary whimper at the strange magical stench. Alors, alors on entend des whimpers, des whimpers, je pense c'est des murmures légionnaires. You hear legionary. Whimper at the strange magical stench. Uh, for Legendary to pull Birdie. Okay, Legendary whimper at the strange magical stench. Ah oh oui, Legendary, c'est le nom de, 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 de l'animal. Donc, il sent sentir quelque chose. For Legendary to pull Birdie over the crate, you will have to build a bridge from blade-thorn leaves. La la. On va me prendre des Blade Thorn Leaves. Alors, Build a Bridge, quand je vais être à zéro. Donc, il va falloir que je Build a Bridge. Mais Des Blade Thorn Leaves. Oh là 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 là. C'est quoi déjà des Blade Thorn il me qu'on en avait, on en a entendu parler tantôt. Ouais. Il euh... hum. va peut-être falloir, j'aurais peut-être pas le choix de rentrer dedans pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Alors, build a bridge, flip. Mais j'ai pas le droit de flipper tout de suite. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais ça fait fini par prendre un peu de temps tout ça bon là finalement je vais revenir avec Jonai alors je pense que Jonai serait mieux de la faire avancer de 1 parce qu'elle a l'opportunité d'attaquer avec son true strike également en melee alors elle va lancer un seul dé et elle va rajouter un succès elle a besoin dans le fond pour le numéro 8 de faire deux dégâts ah. Donc, on va en dépenser euh, finalement. On va en dépenser un. Donc, ça va faire un plus un. Ça fait deux dégâts. Donc, c'est ce qui va mettre fin à la vie de celui-là. Fait que ça va. Elle a fait ses deux actions. Donc, là, lui il peut bouger. Lui il peut bouger de un, deux, il ne peut pas bouger plus que ça. De toute façon, il ne peut pas bouger plus que ça. Mais euh, il peut parce que 1, 2, 3, ça marche pour ce qui est de la. Euh, de tout ça. Fait que là, on est, euh, on est. On est quand même sur le bord, mais il va falloir que je puisse bâtir une. Euh, un pont. OK. Donc là, on tourne une carte. Par contre, il n'y a plus de spawning à partir de maintenant. Bon. Ouais, là, je pas le choix d'aller vérifier ce qu'il y a là-dedans parce que je veux savoir comment on fait pour construire euh, le fameux... Euh, euh, construire le fameux pont pour aller là. Fait que là, je suis rendu à décider de mes actions. Euh. Bon. Lui, il reste de bouger avant nous autres. Le but, c'est qu'il se rapproche de nous. Donc, je pense que Elunara et Jonai vont attaquer. Et je pense. Je peux pas m'en aller par là à cause des doubles lignes. Donc, on va faire un extra maneuver avec euh, Thorax. On verra. Euh, on verra qu'est-ce qui, euh, qu qui va se passer. Ok. Donc, on va maintenant tirer la carte d'initiative. Alors, c'est monstre rouge. Le monstre bleu, c'est l'œil au complet. Donc, on va encore attaquer. Mais en fait, l'œil au complet, il avance de 1. Donc, c'est ça qu'il fait. Il avance de 1. Donc je vais le faire avancer ici pour cette fois-ci. Il avance de 1. Ouais. OK, fait que là, c'est au des bleus. Alors bleu, je n'ai que Lunara. Alors Lunara va commencer par faire son mouvement de 2. Donc on va faire 1 et 2. Et là en allant là je peux regarder, je peux flipper parce que j'étais à zéro. Alors, on va regarder ça ici. Hard at work. A hero in an area qui contient du rouge on peut faire ça ici. Donc, axe, c'est plus 2. Le shovel, c'est plus 1. OK, bon, c'est quand même bien. Euh, un succès. Je place un token below your hero board. You may perform this check in another area containing... You may perform this check in another area containing a so euh, this turn. OK, c'est intéressant. Je vais pouvoir l'utiliser avec mon ami Torax. Ouais, je vais pouvoir l'utiliser avec mon ami Thorax. Donc, je mets un rond sur les rowboards. Puis, c'est écrit en bas ici. Once you have four in a net token on this card, reveal story card. Ça, pis ça. Qui vont probablement nous bâtir une magnifique. Mais là, en ayant bougé dans le trou. Bon, ok, fait que là. OK. C'est écrit... Parce que des fois, il faut comprendre un peu. C'est quand même bien expliqué, mais un héros qui est dans un, un, une zone dans laquelle il contient cette fameuse goutte-là peut faire ce test-là. Succès, je place ça. Token below your hero board. You may perform this check in another area containing this turn. OK. Ça, c'est comprenable. Mais là, ici, c'est écrit à zéro. Place any token below your hero board. Ah ouais, OK. C'est bon. Je comprends. Il faut que je les amène, il faut que je les transporte. Ah, okay, je comprends, je comprends, je comprends maintenant. Bon. Alors là, elle, elle a bougé. Euh, je pourrais la bouger d'un autre si je voulais, parce que. Ah non, c'est pas vrai. J'ai bougé de deux. Fait que faut qu'elle reste là. Sauf qu'elle est considérée comme étant adjacent à, cette, euh, à ce monstre-là. Donc, elle peut l'attaquer avec son N-axe. Elle peut l'attaquer avec son Stalwart. 2 rouge. Alors, qu'est-ce qui va se passer ah, Je pourrais lui faire jusqu'à 3 dégâts. On va, on, on va en dépenser 2. 1, 2. Donc, ça va lui faire 3 dégâts. Il en reste 3. Bon, on s'entend qu'on est toujours dans le tutoriel, je vous rappelle. S'il y en a qui disent que ça a l'air facile les combats, je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, ce n'est pas trop difficile. Malgré que j'ai quand même lancé très bien. Mais je suis loin d'avoir terminé. Euh, parce que Birdie va avancer. Mais il ne pourra plus avancer après ça. Tant que je n'aurai pas bâti un, un genre de, 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 de pont. Euh, donc, Lunara l'a terminé. Je pense qu'on va y aller avec Thorax. Euh... Ouais. Le tharax, je vais le laisser là. Alors, Thorax, il est déjà dans un lieu et c'est écrit que je peux faire le hard at work. J'ai besoin d'avoir quatre succès. Et quand j'utilise un axe, et j'ai justement un Great Axe, moi, je me rajoute deux succès. Donc là, ça serait quand même assez surprenant que je ne sois pas capable, parce qu'il y a trois de force. Et c'est ça que ça prend de me faire quatre succès pour pouvoir ramasser euh, ce que j'ai besoin de ramasser. Man. mais c'est plus 2 c'est plus 2 fait que là j'ai un, j'ai 2 3 et j'ai 4 ouh tout juste tout juste fait que là je me ramasse ça et je le mets en dessous donc dans euh, dans mon inventaire OK que vous voyez juste là j'en ai fait un et j'ai le droit c'est bien écrit j'ai le droit de le faire à un autre endroit j'ai toujours pas fait ma première manœuvre alors, je vais faire ma première manœuvre. Je vais me rendre ici. Il ne faut pas oublier qu'en allant là, en rentrant, je me fais deux dégâts et je dois lancer un seul dé parce que c'est la statistique de notre ami euh, Thorax pour ce qui est de Alors, est-ce que je me fais faire des dégâts? Donc, je vais me faire un dégât. Dans ce temps-là, je dois le prendre de celui-ci. OK. Fait que là, je suis rendu à deux dégâts. Mais là, on est au même lieu. Encore avec un rouge, donc je peux relancer les dés. Et là j'ai un, deux, j'ai ça. Je peux relancer deux autres dés. Donc j'ai un, deux, trois, quatre. J'ai six succès. Alors je peux m'en mettre un deuxième. Ok. Et là j'ai fait. Là il va faire son extra manoeuvre. Et là, j'ai plus rien ici, donc je vais le faire bouger de un. J'ai pas le choix. En fait, c'est pas vrai, j'ai le choix. J'avais pas vu ça. Donc, je pense que je vais m'en aller ici. Alors, je vais aller le placer là. Il va revenir en arrière, il va pouvoir, il va pouvoir aller là. Puis peut-être là. là. Je pense que ça, c'est pour aller chercher un autre manchon. D'ailleurs, parlant de ça je pourrais peut-être l'utiliser l'item ça me donnerait deux euh, deux stamina bon, je vais le garder pour l'instant on n'est peut-être pas encore rendu à l'article où j'ai absolument besoin de ça euh, c'est autour de john Johnay qui va faire son mouvement donc elle va aller s'installer là est-ce qu'on met fin à la vie tout de suite parce que là là je suis adjacent juste là je pense que oui. Je pense que. Je pense qu'on va y aller. Euh, donc, on est en mêlée. Je lance un soldé. Je rajoute un succès. J'ai besoin d'avoir. Euh, ça va être difficile. Ah. Hein, je réussis. Je réussis parce que je peux dépenser deux stamina. Euh, et avec mes deux stamina, ça fait deux plus un. Alors, ça fait trois dégâts. Et voilà, on vient d'éliminer l'ensemble des beaux petits méchants qui sont là. Donc, on va pouvoir se, se concentrer sur le reste. Mais, on a fait le mouvement, on a attaqué. Ça se termine là, la ronde. Mais attendez, je peux avancer mon bonhomme juste avant. Ouais, et là, mon bonhomme ne peut pas passer là. Donc, il peut juste avancer de 1. Il peut aller s'installer ici, et là, il est bloqué là. Jusqu'à temps que je répare le, le pont. Je trouve ça original. Okay? Vous pourrez dire ce que vous voulez, là, mais c'est une mission où ça va tellement plus loin que de juste. Et là, on est seulement dans la deuxième mission. Là. Mais il faut que je bouge un, une carriole, puis euh, là, il y a un, un trou, il ne peut pas passer. Il faut que je répare le, 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 le fameux. Euh, il faut que je répare le trou. C'est malade. Je trouve ça... En tout cas, j'espère que toutes les autres missions vont ressembler à ça. Bon, là, les combats étaient peut-être un peu faciles. Je dois l'avouer. Euh, je n'ai pas beaucoup de dégâts. J'en ai un petit peu. Mais rien de vraiment très, très grave. Euh, donc là, est-ce que j'ai... Est-ce euh, que j'ai défaussé ma carte? Euh, est-ce que j'ai défaussé ma carte? Alors là, j'en ai quatre ici. Donc, je devrais en avoir quatre ici. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Donc, si j'en ai 5 là, je devrais aller me défausser ma cinquième. N'oubliez pas, il faut que j'aille le plus vite pour avoir les meilleurs. Euh, les meilleurs, et là, et ça, ça va être... Ben, c'est pas nécessairement difficile, mais euh, là, je vous dirais qu'on va faire des... Ext... Hum, Peut-être pas nécessairement des extra maneuvers. Justement. Thorax, lui, il a besoin de bouger. Là, okay. présentement, j'ai deux dégâts. Je pourrais utiliser ça pour lui redonner de stamina. Parce que j'imagine qu'on peut utiliser des items à n'importe quel moment dans notre tour, ça c'est sûr. Euh... Donc lui, je pense que je vais lui faire faire un extra maneuver. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un, un dé de plus. Sauf que les deux autres, par contre... Donc, Lunara, elle. J'ai l'impression que Lunara, euh, on va y faire faire un focus. Puis pourquoi pas faire la même chose pour notre ami? On va y faire faire un focus aussi. Pourquoi pas? Moi, je pense que tout ça est quand même relativement faisable. OK. On y va. Alors, ça serait les monstres qui joueraient en premier. Mais là, on a un rouge. Donc, le rouge, on en a une pour cette fois-ci, c'est Jonai. Alors, Jonai pour son mouvement, elle peut bouger de deux. Donc, je pense qu'elle va faire un et elle va faire deux. Et elle va essayer d'aller euh, s'occuper parce que là, elle rentre dans un lieu avec des... Euh, des euh, comment on appelle ça Des blade thorns. Peut-être une possibilité d'avoir deux dégâts. Euh, par contre... Euh, elle, elle a deux. Euh, de, elle a d'agilité. Et ça fait 2-2-0. Fait que c'est excellent. Là, par contre, elle a besoin... <laughs> euh, en passant, j'aurais pu lancer 3D. Je viens de voir ça parce que j'ai fait un focus. Fait que je pouvais lancer 3D. Donc elle va essayer d'enlever, de, d'aller de, chercher des, des blagues des thorns, justement. Euh, elle a une N-axe. Non, 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 faites attention, c'est John Jonai John a n'a pas de N-axe, elle, présentement. Donc, elle a juste le hook and rope, ce qui va faire en sorte qu'elle va lancer trois dés rouges. Ça devrait être deux, mais parce qu'elle fait un focus, elle va lancer un dé supplémentaire. J'ai besoin d'avoir quatre succès. OK, quatre succès. Bon, là, j'ai 1, 2, 3. Ça, je peux décider plus tard. Je peux me lancer un autre dé. Alors, on lance un autre dé. Et là, là. Et si je veux réussir, je n'ai réussi, pas le choix. Donc, je dois, euh, je dois en dépenser un. <laughs> ok, c'est réussi. Fait qu'on va ramasser euh, des, euh, des Blackthorns que je vais mettre en dessous ici. Mais. Euh, c'est tout. Elle ne peut pas bouger plus parce que j'ai pas fait un extra manoeuvre. OK. Donc. Euh... Bon, ça, c'était le rouge. Les verts, ensuite, c'est les deux thorax. Bon. On va y aller avec Lunara. Donc, Lunara, Lunara elle, est, elle est ici. Elle peut bouger de deux. Donc, elle va faire un et deux. Elle va se ramasser là. Et en étant là, comme pour toutes les autres, elle va se lancer 3D bleus parce qu'elle a fait un focus. Donc, euh, c'est 2 dégâts. En passant, ça, ça ne me donne rien pour l'instant. C'est peut-être plus tard. Donc, 2 dégâts moins 2, chanceux quand même. Donc, je ne me fais pas faire de dégâts. Et là, après ça, elle va lancer, elle aussi, elle va lancer 3D. Parce qu'elle a 2 de force. Donc, ça lui prend 4 succès. Alors, j'ai 2, 3... Et bien oui, <laughs> je peux dépenser un pour avoir le quatrième succès et donc de le mettre en dessous. Donc ça, ça veut dire que euh, Thorax n'est pas obligé d'aller en chercher d'autres parce qu'on a les quatre. Donc faut juste qu il faut juste qu'il se ramène. Et là, j'ai la possibilité de passer par là ou de contourner. Thorax pourrait faire 1, 2, 3, 4, puis aller le porter direct dedans. Ou je contourne 1, 2. Parce que là, je suis pas mal sûr que c'est d'aller chercher ça. Bon, d'ailleurs, c'est tour de thorax, on va le faire. Okay, je vais le défausser. Puis je vais aller me chercher deux stamina. Donc, euh, j'ai ingurgité le fameux mushroom. Je pense qu'on va y aller. Donc, je peux me dépenser un stamina pour bouger de deux. Donc, je vais faire un. Et là, on arrive directement là. Il faut que j'aille chercher M. Alors, euh, Circle of Disguising Life. Ouh. Ce pas exactement ce que je pensais. Alors, c'est écrit. Ripulsive venomous centipedes crawl over and under a purple black cap mushroom. Alors, des vraiment des centipèdes vraiment dégueulasses se trouvent en arrière, en dessous du euh, du fameux mushroom, donc du, euh, du champignon. The mushroom are valuable, but gathering it without touching the horrible bugs is perhaps more trouble than it's worth. Alors, c'est peut-être très intéressant de prendre le champignon, mais de toucher à ces vermines-là. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Alors, get rid of the bugs, shovel or torch as an active item. J'ai pas ça. Flip A, just pick the mushroom. Donc, c'est une option que j'ai. Bon, c'est une option que j'ai et c'est une option que je prendrai pas. OK, fait que je fais deux. Non, je ne peux pas aller là. Parce que c'est une seule place. Ah, bon, ben deux, je vais aller là. OK, Parce que je peux m'en aller dans ce coin-là. Bon, ben ça, c'était sa première. Puis, je pense que pour sa deuxième, je ne prendrai pas sa stamina. Je vais, me rendre, je vais aller là. C'est comme ça. En passant, eux autres qui ont toutes fait leur... Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Oui. Euh, le fait... Le fait. Et c'est tout. Je pense que j'ai fini mon tour. Je peux pas faire avancer euh, Legendary, malheureusement. OK, 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 ok. Je pense que je vais enlever. Euh, je vais enlever ça. On va... On va, on va s'y rendre. Euh... Donc là, on arrive à la fin du tour. On va tourner ça ici. Alors, on arrive au début du tour. Je pense que là, on va y aller avec de l'extra manoeuvre. Pour tout le monde. Parce que là, le but, c'est de se rendre... Ouais, ok. Donc, euh, on va. Je suis en train de regarder, voir si ça prenait une action. Ah, ben là, c'est pour une des rares fois qu'on aurait passé avant si on avait été rouge. Mais là, c'est bleu, vert, bleu. Donc, c'est le vert qui va commencer. Et c'est notre ami Thorax. Alors, Thorax qui va faire. Il euh, va faire un mouvement de deux. Donc, il va faire un et deux. Et qui va aller donc livrer. Parce qu'il est dedans, donc il va commencer à aider à construire euh, la place. Et pour son deuxième mouvement, il euh, faut que je fasse attention. Son deuxième mouvement, il va aller s'installer ici. OK. Ensuite, euh, Factorac, c'est fait. Ensuite, j'ai le choix entre Jonai ou Lumara. Donc, Lumara, euh, on va la faire bouger, donc, elle bouge de deux. Donc, elle peut aller ici pour 1, pour 2. Elle va mettre ça là. Puis pour son extra maneuver, elle peut faire 1 et 2. Elle peut s'en aller là. Voilà. Et pour Jonai, Jonai va faire 1, 2. Elle va aller livrer ça. Et c'est écrit aussitôt qu'il y en a 4, je dois révéler le story card. Donc, euh, c'est triangle et euh, genre de losange. En tout cas. Euh, ça puis ça. Alors, un makeshift bridge. Alors, on va commencer par lui. Alors, un makeshift bridge. The bridge of branches. Alors, j'ai fait plein de branches. And leaves might be just enough to get Legendary, the Togrel and Birdie, the wagon over to the other side. Alors, peut-être qu'on va être capable d'amener Legendary, the Togrel et Birdie. Euh, de l'autre côté, justement, de, de ce fameux trou-là. « As you are finishing the bridge, you hear the sound of more skitterers in the wood. » Alors, alors qu'on est en train de faire le, le, le fameux pont, on entend le son de, euh, des petits skitterers qui, on dirait, qu'ils veulent revenir. Alors, c'est-tu pas le fun? Je pense qu'il faut que je replace. Donc, probablement que j'enlève... Lui, il est là. Donc, lui, je dois l'enlever la partie... Et on va maintenant. Euh, comment je place ça? Je place comme ça. Voilà. Alors, on a fait quelque chose de très bien. Ici. Et là, si on regarde comme il faut, les deux étaient dedans. OK. Fait qu'il faut que je les remette dedans. Ça, il faut que je fasse attention parce qu'il y a. Euh, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qu'il faut que je regarde par rapport à placer. Over the cards, combining area. Je vais juste, vous, vous venez, je vais regarder exactement comment ça fonctionne. Mais oui, tout est logique dans ce jeu-là. Je devrais plutôt, je devrais, me, je devrais le savoir. Donc, je, je, remets, je remets les personnages-là. Ce qui fait en sorte que Birdie ne pourra pas avancer pendant ce tour-là. Donc j'en ai encore pour deux tours, je pense, avant de pouvoir faire quelque chose. Alors euh, j'imagine que en faisant ça, bon, ils ne me disent pas d'enlever la carte, mais j'imagine qu'on va l'enlever. Mais on a ça qui fait son apparition, regardez encore. Alors, as you have finished the bridge, alors qu'on a terminé le pont, you hear an eerie sound of multiple legs moving rapidly to the woods. Alors, on entend vraiment des petits pas là qui s'en viennent de, de, de la forêt. Shitterers are connected to a hive mind. Alors, les, les shitterers sont connectés dans une, un esprit connecté, but they do not seem to be protecting a nest or hunting for prey. Mais ils ne semblent pas protéger un nid ou de, 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 de Sweep and Prey. Someone is using the skitterers as soldiers. Alors, quelqu'un utilise les skidders comme des soldats. And you are their enemy. Alors, spawn. Et là, là. Spawn two skidders in the area shown one euh, per S. Donc, in the area show one per area. Alors, euh, si je regarde ça, ici, on en a un qui va apparaître juste ici. Et on en a un autre qui va apparaître, si je regarde bien comme il faut, juste ici. Alors, spawning enemies and enemies and combat. Et là, si je comprends bien, mon ami ne voudra pas avancer. Ah, parce qu'il y a des ennemis qui sont là. Et là, je n'ai pas beaucoup de temps. Ok, bon. Et ben, puis là, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas d'autres... Euh, ennemis qui vont, euh, qui vont apparaître pendant ce tour-là. Donc, c'est le numéro 8 qui va avoir 6 points de vie. Et on a ici le numéro 2 qui va avoir également 6 points de vie. 6 points de vie, 6 points de vie. Voilà. Bon, stratégie, stratégie. fait là, tout le monde a fini. Mais non, c'est pas vrai. J'avais pas fini. Il me restait un mouvement euh, que je pouvais faire. Hum, peut-être que je pourrais aller aider Birdie. Je pourrais peut-être aller l'aider parce que j'ai pas fait bouger Birdie dans ce aussi. Mais c'est un test de, de spirit de 5. Et là, c'est... Euh, euh, ça serait difficile quand même de réussir. Ou je m'en vais éliminer les, les méchants là, parce que c'est pas mal ça. Parce que je peux bouger pour aller là et je pourrais essayer. Si je voulais... Ben, ça ne me coûte rien d'essayer, dans le fond. Donc, je vais la bouger là parce qu'il me restait un mouvement. Alors, je vais, je vais bouger là, donc je bouge de 1. Et je vais faire Danger of the Wild, comme je vous avais dit. Donc, je fais un test de spirit de 5. Et c'est écrit euh, Success, ignore the Togrul Movement Restriction on that hero's turn this round. Mais je peux bouger qu'une seule fois, pareil. Et sa restriction, je vous rappelle que la restriction, c'est que Togrul ne peut pas bouger plus proche. D'un ennemi. Euh, if that enemy is already within three range. Alors, en théorie, il ne pourrait pas se rapprocher des ennemis parce qu'il y a des ennemis qui sont à l'intérieur de trois d'espace. Bon, on va l'essayer. Par contre, si je réussis ça, c'est parce que vraiment, là... Parce que j'ai plus de stamina. Il me reste un stamina. Je lance deux dés, puis ça me prend 5 succès. Bon. Mais là, ça en fait un. Un burst, ça en fait deux. Je réussirai pas. Donc, euh, c'est pas réussi. Ce qui fait que Birdie va rester sur place ce tour-ci. Bon. Alors, ça met fin à la ronde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Martin du futur qui est moins présent. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est ça. Donc, je finis la septième ronde. Il faudrait vraiment que je me dépêche. C'est Lunara qu'il faudrait qu'il aille aider. Je pense que c'est ça qu'on va essayer de faire. Mais Lunara, elle est loin. Lunara, elle est ici. Mais elle peut se rendre sur Birdie. OK. Euh... Ah. Ah, est Parce qu'en théorie, l'hiver. Non, les bleus. Non, c'est rare. OK. Donc. OK. On, on va y aller comme ça. Fait que là, je pense que Lunara... Euh, je vais lui faire faire un focus parce qu'on va essayer de faire avancer Birdie. OK? On va essayer de la faire avancer. Mais pour ça, il faut que les autres se tassent. Bon, ensuite, Thorax. Euh, il va l'attaquer. Puis, pour ce qui est de Jonai... Euh, Jonathan qui avait fini, on va aller la faire attaquer aussi. Pour l'instant, je garde mes, mes affaires. Euh, parce qu'on a vraiment peu de temps. OK. Vraiment, vraiment, vraiment peu de temps. Donc, que se passe-t-il ici? Les rouges vont, euh, vont y aller en premier, mais j'ai pas de rouge. C'est vrai que les monstres vont bouger par contre. Ah, oh, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. Mais c'est les bleus qui vont jouer en premier. Donc j'ai Thorax qui va jouer en premier. Thorax pourrait aider la cause. Ouais, ok, il va aider la cause, Thorax. Ok, il va aider la cause. Parce que là, c'est Thorax qui, qui frappe en premier. Thorax, c'est lui qui, qui joue. Donc, euh, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire son, sa manœuvre puis il va aller là. Bon, vous savez qu'en allant là, il y a des chances de se pogner deux dégâts. Alors, est-ce qu'il se va avoir ces deux dégâts Oui. Et là, étant donné qu'il n'y en a plus, dans, ici, il faut que je les prenne là. Je rappelle que c'est deux façons différentes de ramener des points. Là. Euh... Et là, on va attaquer. C'est sûr que là, je ne peux pas m'aider dans mes attaques. Mais il va avoir un succès de plus. Il lance 2 dés. Il lance 2 dés. Puis il y a un succès de plus. OK, let's go. Let's go. Oh, ça fait quand même 4 dégâts. 4 dégâts sur le numéro 8. Donc, il reste deux points de vie. Ah, c'est quand même bon, ça. C'est quand même très bon. Excellent, même. Torax a fini. Là, c'est les ennemis à, à attaquer. Donc, lui va attaquer, évidemment, le plus proche. Mais il n'aura pas besoin de bouger parce qu'en théorie, c'est en passant, c'est l'œil le plus fermé. Il n'attaque pas. Non, ils n'attaquent pas, ils font juste bouger de deux. Hmm. Je suis en train de remarquer. Ça, ça veut-tu. J'imagine ça veut vraiment dire que snooping around. Donc, ils font juste avancer de deux. Puis ça, ça je pense que c'est quand ils spawnent. Ça s'il se passe quelque chose. Donc, si je comprends bien, il va... Essayer d'avancer à l'endroit le plus proche pour attaquer. Euh, donc, c'est elle, mais il ne peut pas aller dans le lieu parce qu'il est plein. Alors, il va rester là et il n'attaquera pas l'espèce de cave. En fait, il n'attaque pas ni un ni l'autre. Si, si j'ai bien compris l'astuce la, la, de la patente, là, les deux n'attaqueront pas parce que c'est un œil qui est légèrement fermé. Voyez-vous. Donc, c'est le fameux. Euh, c'est donc ma. C'est ma chance à moi. Mais je vais aller valider ça. Alors, c'est exactement ça. Fait que les deux, ils ne bougent pas. Mais en fait, y il, il, il aurait bougé au plus proche, mais ils n'attaquent pas. Fait que, comme je dis, ils font juste Snooping Around, ils sont une gang de cave. Euh, et là, c'est rendu à mes deux verts. Donc là, je vais commencer par bouger John I. Donc Johnny, qui va donc aller faire un petit tour ici. Il euh, n'y a pas de... Pas rien là, non Donc là, elle, elle va attaquer avec son, son hook and rope, euh, avec un seul day et plus un succès. Donc un seul dé plus un succès, ça fait trois quand même. Donc il va rester trois points de vie à notre, à notre ami. Alors ça, c'est fait pour elle. Et là, il reste, euh, il reste Lunara. Lunara qui va donc... Bouger de 2, parce qu'elle peut. Donc, on va faire 1, 2. Et là, elle va aller parler à... Ah, oh mon Dieu. Ah, oh mon Dieu. Donc là, elle va faire un test de... Donc, elle a 3 dés rouges, mais elle va en lancer un quatrième. Donc, elle a 4 dés, et j'ai besoin d'avoir 5 succès. Let's go. Let's go. OK, OK, OK. Donc, ça fait. Là, il faut pas que je me trompe. Là. Donc, là, j'ai en théorie deux autres dés à lancer. OK. Deux autres dés à lancer. Fait que là, euh, tiens, ça, ça, je vais donner ça comme étant un succès. Alors, attendez, il faut pas que je me trompe. Là. Non, c'est comme si lui avait deux succès. OK. Donc, là, je ne me trompe pas. là. Des fois, je ne vais pas me tromper là. là j'avais un, j'avais 3, deux, trois plus ça. Donc là, ça, Donc là, j'en ai trois puis je lance deux autres dés. ça marche, ok. Parce que j'ai pas d'autres dés. J'aurais bien aimé ça, mais j'en ai pas d'autres. Alors voilà. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est un succès Alors j'ai deux, 3, 4. Et pour avoir mon 5, j'ai besoin. Imaginez-vous donc de dépenser mon dernier stamina. Et j'ai réussi. OK, j'ai réussi. Alors, euh, succès, ignore the trouble movement restriction. Alors, ce qui fait en sorte que là, malgré qu'ils sont à 3, on l'a rassuré. Il va avancer de 2 et on est à un seul petit mouvement. Mais je ne peux pas encore bouger au prochain tour parce qu'il est, il est atteint à l'intérieur de 3. Il, il est niaiseux comme ça. Donc, j'ai bougé. Et j'ai fait mon focus. J'ai lancé un des plus, puis ça m'a été profitable. Sauf que là, j'ai vraiment plus de stamina, j'ai plus rien. On sent vraiment que c'est la fin du, euh, du chapitre. Bon. Euh, OK. Fait que là, c'est fait. On tourne une carte. Et est-ce que le scénario se termine aussitôt Et fait, the end of any round. OK, c'est à la fin de la round. Il faut que je me rende à paix. Et là, ce qui est drôle, c'est que j'ai oublié de de vérifier le P tantôt parce que je vous rappelle que j'avais du monde qui était là. Bon. Faut que Martin ne soit pas trop trop là pour qu'on fasse ça. Ah et ça aurait probablement changé des choses. Ça aurait probablement changé des choses. Alors approaching your destination you see more Vinorian skitters emerging from the wood. It is becoming clear that they are under magical command of someone alors, il y en a d'autres qui apparaissent de la forêt. Ils sont probablement contrôlés par quelqu'un. Alors là, il fallait que j'en... C'était... Ça fait un petit bout, probablement. Parce que là, j'en avais deux autres. Un qui serait apparu ici et un autre qui serait apparu là. Ah, mon Dieu. Là, ça ça change la donne parce que bon, là, ça c'est mon erreur à moi. Hein? Ah, j'ai ça. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Parce que là, ça fait apparaître plus d'ennemis. Mais là, je ne peux pas faire comme si. Bon, là, je commence par leur donner leur point de vie. Donc, 5 et 6. Ok, là, beau... il y a beaucoup d'ennemis. Beaucoup, beaucoup d'ennemis. 5 et 6. Mais là, dans le tour, il aurait été supposé de bouger. De 2. Qu'est-ce que je fais? Peut-être qu'il aurait attaqué... Euh, il aurait attaqué Thorax. OK, on va... On va faire comme si, parce il serait probablement apparu au dernier tour quand j'ai fait, fait apparaître Thorax ici. OK? Euh, Puis ça aurait peut-être changé des choses. OK? Fait qu'on va, on va faire perdre des points de vie pour essayer d'être legit. OK? On va essayer d'être legit. Donc, si on est legit, on y va. Donc, euh, en théorie, euh, on va y aller avec trois points de dégâts. On va commencer par Thorax. Donc, Thorax qui a euh, trois des bleus. Donc, euh, je me subirais deux autres dégâts. Et là, ça commence à en être beaucoup. Euh, et j'aurais probablement fait attaquer également contre Lunara. Donc, Lunara qui, elle, en en a deux de 2 euh, de force. Alors, 3 dégâts. Iii, ça, ça, ça C'est trois premiers dégâts. C'est quand même pas si mal. C'est juste ces trois premiers dégâts. OK, donc il y aurait probablement eu une attaque de plus. Et là, je les aurais probablement fait bouger dans ce tour-ci de 2 en direction euh, du plus proche. Alors, il y aurait fait 1 pour aller là. Puis le plus proche ici, c'est 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Et là, on s'entend que le taunt, c'est lui. Donc, ils vont faire 1 et 2. OK, fait qu'on on va jouer comme ça. On va jouer comme ça. Okay, c'est dommage. Euh, je trouve ça plate. Mais c'est la vie. Donc là, il me reste L et Q que j'ai pas fait. Q c'était. Ah, Q est ici. Bon. Ah, ça me déçoit. J'aille ça. J'aime ça quand je fais une erreur comme ça. Une erreur qui pourrait changer. Bon, on, on est dans le tutoriel, donc okay, ne faut pas, faut pas non plus capoter. Euh... Ouais. Là, ça commence à devenir assez compliqué. Là. Bon, OK. Je viens de passer plusieurs minutes à vérifier des petites choses. Et deux petites, une petite erreur que je me suis rendu compte qui finalement fait en sorte que j'aurais peut-être pas dû me donner des dégâts. C'est que lorsque les euh, ennemis sont spawnés, donc pour la première fois, ils ne s'activent pas pendant leur tour. Euh, donc, c'est bien important. Fait Au dernier tour, euh, je les aurais mis probablement sur le côté et ils n'auraient probablement pas bougé. OK? C'est ça que, que je comprends. Par contre, quand ils ne sont pas activés, j'imagine qu'on peut, les, les, on peut les, euh, les attaquer malgré tout si on est sur la même case qu'eux autres. Euh, fait que ce qui fait en sorte que eux autres qui sont apparus dans ce tour-ci, parce qu'ils sont vraiment apparus. Euh, ils sont-ils apparus ce tour-ci ou sont apparus à la fin du dernier tour euh, Je pense qu'ils sont apparus à la fin du dernier tour. Fait autres, il y aurait... Donc les autres, c'était euh, probablement que c'était aussi la même chose. Euh, Peut-être que c'est correct finalement. Bon, ben, en tout cas, je vais arrêter de m'en faire avec ces ennemis-là. Euh, mais là, j'ai regardé parce que là, ma, ma, ma grosse crainte, pas pas crainte, là, mais ma grosse. Mon gros questionnement que j'ai, c'est que je veux finir le scénario. Donc, j'ai fait plein de recherches et ce que je peux me rendre compte, c'est que je peux bouger mon bonhomme, même s'il y a des ennemis avec lui. Et il n'y a pas de côté négatif par rapport à ça. Je trouve ça très, trouve ça très bizarre parce que j'ai rarement vu ça dans un jeu où on n'a pas d'élément négatif quand euh, on sort d'une zone avec des ennemis. Et j'ai tout regardé parce que c'est bien écrit. Endured, euh, c'est si au moins autant d'ennemis euh, que d'alliés dans une zone. Les Active Ability Check ont moins un succès. Donc, ça, c'est les, les fameuses habilités qu'on va retrouver sur les cartes. Donc, j'ai moins un succès si je décide d'en prendre un avec des ennemis dans mon area. Donc, dans ma zone. Euh, si je fais un Recover, euh, and Heal Maneuver, donc un Recover and Heal qui sont dans le fond, ce que vous retrouvez ici, euh, ben, je vais m'en faire un de moins. Et je ne peux pas faire un « pick up » receive item ». Il n'y a absolument rien, rien, rien qui parle de, du mouvement. J'ai regardé dans le livret d'instructions. Donc, ça, ça veut dire, en théorie, d'après ce que je comprends. Euh, puis, bon, je pense que je, je comprends bien comme il faut, là c'est que lui, je, bon, je vais le faire attaquer, ok, euh, et ensuite de ça, je vais le faire bouger là puis on va l'essayer. Je pense que c'est un peu ça. Sauf que la problématique, c'est aussi que, et ça, je ne me souviens pas où je l'ai lu, c'est ça qui me bug un petit peu présentement, c'est que je sais que si je rentre dans une zone avec un ennemi, il faut que j'arrête. Puis j'essaie encore une fois de retrouver le... Le, 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 le règlement qui traite de ça, parce que le livret, il n'est pas si bien... bien c'est pas mal fait, mais c'est difficile de trouver les informations qu'on recherche. Euh, ça me chicote encore dans la tête, le présentement, parce que, honnêtement, c'est ce qui va... Parce que là, mon but, parce que là, on voit juste ici, là, juste ici, là, j'ai une petite zone. Donc, je peux m'en aller en théorie ici en passant par là. OK? Euh, ce qui fait en sorte que je pourrais donc faire son habileté. Euh, et si je réussis, ben, je peux le faire avancer parce que là, il ne peut pas avancer. Mais je pourrais le faire avancer et il, se, il pourrait se rendre là. Si je réussis, évidemment, mon lancer de dé. Encore faut-il que je réussisse mon lancer de dé. Bon, je vais essayer de voir encore une fois parce que, tu l'idée que c'est elle qui est la plus forte pour pouvoir essayer de faire, euh, euh, donc, de, de, de permettre à Birdie de se rendre jusque-là. Sauf que là où elle est placée, faut que je passe à travers, il y a un ennemi, et là, je suis pas mal sûr à presque, et je dis bien presque 100%, que s'il y a un ennemi dans la case, ça met fin à mon mouvement. Mais encore une fois, faut que je trouve cette règle-là. Je vais finir par la trouver. OK, fait que euh, je viens encore de passer plusieurs minutes, puis euh, c'est parce que je pense que ça ne rentre pas dans ma tête, cette règle-là, euh, parce que j'ai tellement joué à des jeux de Dungeon Crawl dans les dernières années où euh, à chaque fois qu'on rentre dans une, dans une case avec un ennemi, on est obligé d'arrêter ou à chaque fois qu'on qu qu sort d'une case avec un ennemi, ben eux autres, ils ont une attaque d'opportunité, comme on dit souvent. Euh, et là, la seule affaire que je peux voir, c'est seulement lorsque les cases sont à, à capacité maximale. C'est là qu'on est comme bloqué de passer s'il y a des ennemis dans ces cases-là. C'est la seule affaire que je vois présentement. Le reste, je ne vois absolument aucun des avantages à bouger. Fait que je vais y aller avec ma vision originale, malgré que dans ma fameuse vision originale, je pense que je vais, euh, je vais continuer à utiliser Lunara pour y faire un focus, parce que c'est comme ça. Euh, c'est ben, comme ça que je le vois dans le fond c'est véritablement comme ça que je le vois parce que je vois pas je vois pas de problématique autre euh... fait que on va y aller comme ça puis elle elle va faire son true strike puis voilà fait qu'on va essayer on va essayer ça alors c'est euh, les bleus qui vont commencer euh, ouais, là, il faut que je décide ce que je fais. Parce que là, j'ai deux verres. Et malheureusement, le verre. En passant, j'aurais un, une manœuvre de plus. Mais pour le tutoriel, euh, il nous demande de ne pas le faire. Donc, euh, c'est Thorax qui va commencer. Et là, Thorax, il est déjà ici avec euh, l'ami numéro 8. Il lui reste juste deux dégâts à lui faire. Donc on va le faire. C'est 2 dés rouges et plus 1. Donc on va lancer les dés. Ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Il lui restait euh, deux points de vie. Alors celui-là, il n'existe plus. Et là maintenant, j'ai une manœuvre où j'ai un recover. Et je pense que... On va faire un... Bonjour, Bonjour. Bonsoir. On va faire un recover 3. Parce qu'il n'y a personne là. Sinon, il y aurait eu un encumbrance et euh, j'aurais probablement eu un, euh, donc un recover de moins. Bon, là, la problématique, c'est que là, c'est les ennemis qui vont m'attaquer. OK? Donc, qui va attaquer qui pour commencer? Donc là, ça c'est 5. Ça c'est 6. Euh, puis j'ai 2. C'est ça? Ok. Alors le 2, puis les autres, d'après ce que je peux voir, ils attaquent, parce que là, c'est des bleus, ils attaquent avec les gros yeux. Donc les gros yeux, c'est 3 dégâts. Bon. Alors le numéro 2 va attaquer. Euh, va attaquer Jonai. Jonai qui va se défendre donc, avec 2 dés. Et on va voir que ça donne. Donc 3 moins 2, ça fait 1 dégât. Alors, oups, c'est lui, il faut que je prenne. Donc un dégât pour Jonai. Euh, ensuite de ça, c'est le numéro euh, 5. Alors le numéro 5 qui évidemment va aller ici, qui va euh, entrer avec Thorax. Et Thorax, il va l'attaquer également de la même façon, sauf que Thorax, lui, il a 3 des bleus. Donc c'est 3 dégâts, moins 1, donc ça fait 2 dégâts. Hi, Thorax, il lui en reste plus euh, beaucoup. Et si je comprends bien ici, notre ami qui est juste là, il a le choix. C'est quoi son mouvement, là? Est-ce est, est qu'il va bouger? Parce que là, en théorie, il peut aller attaquer lui, il peut aller attaquer lui. C'est quoi. C'est quoi son. son. Euh, son. Euh, donc. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire? Alors. If the enemy action show movement, alors ils peuvent bouger de un espace. Mais là, pour l'instant, ils n'ont pas eu besoin de bouger bien, bien. Um, it moves towards the area it can attack from that requires the least amount of movement to reach. If tomorrow I tied in this respect, it moves towards the one that allows uh, it to attack a hero with a high, higher taunt value. Donc, en théorie. Il peut attaquer lui parce qu'il est à une distance. Donc, il peut attaquer soit lui ou soit lui sans problème. Alors, il va attaquer Thorax pour 3. Et Thorax, ça se peut qu'il soit. Oh, c'est un dégât. Bon. Et ça va. Ça va. OK. Thorax en passant est déjà. Donc, les trois ont. ont euh... On agit. Alors, ce qui fait en sorte que je vais faire agir l'unara, qui est son focus. Et là, si je comprends bien, elle va bouger de deux. Et là, elle peut faire un et elle peut faire deux. Il n'y a absolument rien qui l'empêche de passer à côté euh, donc de, de l'ennemi. Euh, C'est bien ce que je... Puis j'ai fait des recherches Game Geek et je ne vois rien. Donc, j'imagine que ça doit être ça. Et là, on va lui faire, dans le fond, encore une fois... Euh, on va calmer Togren. Et là, euh, on va y lancer 4D. 1, 2, 3, 4. Sauf que je n'ai pas de stamina. Donc, ça se peut que ce soit une épée dans l'eau. Ça se peut. Et ça va être le cas parce que j'ai seulement 3 succès et je n'ai plus de stamina. Oh, ça, ça fait mal, ça. Ça, ça fait très mal. Oh, ça, ça fait très mal. Et là, on a Junaï euh, qui se combat le numéro 2, qui reste 3 points de vie. Alors, Junaï, elle, qui va lancer un seul dé avec un plus 1. Donc, 2 dégâts. Donc, il va en rester 1. Et... Euh, qui va, dans le fond, se redonner. Est-ce qu'on se fait un recover ou on bouge euh... Non, je pense qu'on va rester là, et on va se faire un recover, puis on va, en passant, étant donné qu'on est hindered, on va se reprendre seulement une seule, un seul stamina. J'aurais pu me reprendre les points de vie, mais euh, pas... Euh, C'est pas ce qui me tente pour l'instant. Ok, bon. Et là, je pense qu'on va pas très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je me souviens bien, il faudrait que je réussisse au prochain tour. Là, si je veux avoir une chance. Je, je, je vous le dis. Là. Fait que... On... Euh, J'ai tout jai tout tourné, mais bon ah, Dieu, c'est tout à la même affaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Oui, je l'ai fait Ok, commence à être tard, je vous dirais. Euh, partie... C'est quand même des très longues parties, ce qui est correct. Là. Alors, euh, on va faire attaquer les deux autres. On va essayer d'éliminer au moins. Euh, on va voir qu'est-ce qui arrive au niveau de l'initiative. Ah, ben, c'est eux autres qui vont attaquer, mais moyen. Okay, mais ça se pourrait que mon ami Thorax, euh, que je, pour, je vous présente, qu'est-ce qui arrive quand euh, il reçoit trop de dégâts? Alors, c'est justement à eux autres d'attaquer. Donc, on va commencer par le numéro 2 qui attaque pour cette fois-ci pour 2. Mais là, je dois. Euh, euh, donc, c'est Jovenel. Donc, c'est avec l'agilité. La, Alors, un dégât. Donc. Je dois, je dois perdre ici. Euh, ensuite, c'est le numéro 5 qui est avec mon ami qui est là. Et là, mon ami, je pense qu'on va lui dire adieu. Ah ben oui. Donc là, ce qui arrive, c'est que je dois perdre le dernier. Et là, je dois retourner ça de côté. Comme ça, voyez-vous, voyez il est wounded. Il y aura un effet négatif autre dans la partie. Et là, j'en prends 5. C'est le maximum que je peux avoir. 1, 2, 5. Et je le mets du côté euh, stamina comme ça. OK? Alors, est-ce qu'il a par contre, euh, est-ce que quand je suis exhausté, euh, est-ce que j'ai quelque chose d'autre de négatif qui se passe quand il y a quelque chose comme ça? Alors. Vous savez qu'il y a plein de nouvelles petites règles qui, euh, qui apparaissent, mais qu'on ne découvre pas tout de suite, évidemment. Donc, évidemment, je vais peser sur le biton. Et voilà, oh, là, je, je suis quand même content. Je suis quand même content parce que le provoke, regardez. C'est ça le provoke. Euh, donc, ça, c'est une habilité pour les skaterers. Because an amount of damage in this case one to any hero that moves out of the same area as the skitterer. Bon, ben voilà. Fait qu'elle, quand elle a passé à travers, euh, pour ce qui est de notre amie euh, Brianna, ben, elle perdait un point de vie. Et pour l'instant, c'est la seule qui est sortie, je pense, d'un euh, euh, ennemi. On va finir, hein? on, on est toujours dans le tutoriel, ça va finir par rentrer mais là, ça va. Là, j'ai compris. Euh, donc, effectivement, je reprends mes cinq points de vie et je peux, je peux rejouer. C'est juste que si une deuxième fois, euh, je tombe avec plus de points de vie, là, lui, il va, il va, il va partir de, de la partie, malheureusement. C'est les côtés négatifs, c'est comme ça. Euh, sauf que là, on a, on a peut-être des petites chances ou pas. On verra bien. Euh, parce que là, il nous reste encore lui à faire attaquer. Alors, comme la même chose, lui il est là, il a le choix, il peut aller attaquer lui ou il peut aller attaquer elle. C'est les deux choix qu'il a. Alors, tente 37, ça va être euh, encore lui. Là, il y a un seul dé, deux d'attaque. Alors, ça en fait deux autres qui s'en vont. Ouf Et On s'entend que le maximum que j'ai le droit d'avoir à partir de maintenant, c'est 5. Donc, je ne peux pas en avoir plus que 5. Bon, mais là, je vous dirais que ça passe ou ça casse. Là, il faut que ça passe ou ça casse. Donc. Euh, fait que là, les ennemis ont tout joué. Là, c'est à mon tour. Et là, c'est au tour du bleu. Le bleu, c'est mon ami Thorax. Mon ami Thorax qui va, je pense, qui est très fâché. Et qui va attaquer le numéro 5. Lui... C'est ça le numéro 5 Le numéro 5, il lui reste 6 points de vie. Ah oui, il vient d'apparaître. Bon, le numéro 5, il lui reste 6 points de vie. Alors, ça fait 2 dégâts. Ça fait 3 dégâts, ça fait 4 dégâts. Donc, le numéro 5, il va y en rester 2 points de vie. Et il va se redonner. Un point de vie. Parce qu'il est dans la même case qu'un. Ça, c'était pour son move. Son maneuver, c'est fait. Bon, let's go. Première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va se redonner trois stamina. OK, dans son maneuver. Donc, elle va se redonner trois stamina. Et là, on va réessayer euh, avec un dé de plus, là, je vous rappelle. Donc, 4 D. On va réessayer encore une fois. De demander à notre ami de vouloir bien avancer. OK, ok, ok. Donc là, ça fait 2. Ça fait deux, je peux relancer un dé. Ça fait 2. ça fait trois. Je peux lancer un autre dé. Donc là, je peux oser en avoir trois. OK? Je suis posé en avoir trois. Fait que je vais mettre ça. Je vais lancer un autre dé. Donc là, ça fait 4. Et on s'entend que j'ai juste à payer un stamina pour 5. Alors, j'ai réussi à faire avancer. Et là, ça, ça veut dire qu'on va mettre fin à la fin du tour. Mais là, à la fin du tour, c'est là, mesdames et messieurs. C'est là. Je vais quand même faire attaquer euh, Lunara, qui va attaquer pour euh, absolument rien. Mais en fait, le 0 plus 1 a fait un dégât. C'est tout ce qu'elle avait besoin pour euh, battre le, le 2. Alors, euh, parce qu'on avait un plus un. Alors, c'est réussi. Et elle va se redonner deux stamina. Voilà. Et là, on arrive à la fin du tour. Et là, c'est écrit End of Round. Hein, c'est bien ça qui est écrit. Alors, il y a Complete the Scenario at the end of any round. Alors, évidemment, il faut que je discarde le fate token. Et c'est écrit: euh, If at the end of the round, the torque rail and the wagon is at P, c'est le cas. Ah, pas. <laughs> J'aurais fallu que je regarde le cul le qui est juste là. Ah, oh, mon Dieu, j'ai été tellement concentré par. Euh, euh, mais là, ici, il aurait fallu que je lise ça. Um, il aurait fallu que je lise le L quand j'étais ici aussi. Eh, boboy. Ça, ça, ça c'est. On va les regarder juste pour le plaisir. Alors, Two-Star Lotus. Euh, fait qu'on voit qu'il y avait ça, mais il n'y avait rien d'autre. Donc, il fallait juste que j'aille dessus pour un zéro. OK? Pour le Two-Star Lotus. Et le L, juste pour être sûr. Alors, quand j'étais à zéro, c'était un Omnis Light. Alors, behind the trees in the direction of Roomedale, you can see the sky is lit by pulsating red and blue light. Birds and Ophira butterflies fly away from whatever it's causing them. It is not the magical aura you are used to seeing in the sky, but something more sinister and uninviting. Alors, get closer. Donc, on voit des lumières dans le ciel proche de Roomdale. Et euh, c ça serait. Euh, euh, il aurait fallu que j'avance, mais on se souvient qu'il y avait peut-être un dispositif là. Alors, je vais laisser ça là. Mais j'ai terminé le scénario. Terminé le scénario, puis je suis moi-même un peu déçu de ça euh, parce que j'ai je suis passé à côté, dans le fond, de ces deux, ces deux affaires-là. C'est pas la fin du monde parce que je n'avais pas l'intention d'aller là. Je n'avais pas non plus l'intention d'aller là parce que je n'ai pas eu le temps. J'ai quand même fait tout le reste. Et pour moi, je pense que ça me, ça me va très bien. Alors, euh, on va aller euh, voir ce qui se passe avec la. conclusion You made it past the obstructions and have outpaced any remaining skitterers. More appear from the tree line as you rush off up the road towards the rising smoke. You make it to the hill where you can see the sky aglow with red and blue light. It is coming from beyond the ruins of the ancients, which mark the forest downhill. You hear faint yells, curses, and blasts, all seemingly coming from a magical battle being fought not far from here. Then you see a Nitigri sorcerer rise into the sky on a flying disc, casting evil red energy down at Shantor as she levitates herself up, countering with blue magic. Legionary starts to whine miserably. You do your best to calm him down before going to help his mistress. Just then, you see the evil nitigree cast a magical bolt through away. You hear the whistling sounds and you realize you must run for your lives. Et là là, il se passe des affaires extraordinaires, donc une, une énorme bataille, c'est ce qu'on voyait un petit peu au loin, puis c'est ce qu'on avait vu également au début de l'aventure. Donc euh, on se on se range au, au bout de la colline et on voit justement des lumières bleues et rouges. Euh, qui viennent des ruines des anciens qui, euh, qui euh, marquent donc la, 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 la forêt, euh, l'Isière de la forêt, donc euh, en bas de la colline. On entend des, des, des cris, on entend des, des mauvais mots et des blasts d'un peu partout, d'une bataille magique qui est en train euh, de se combattre, pas trop loin d'ici. Et on voit le fameux sorcier nigri qu'on a parlé avec le, 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 le bûcheron qui a, été, qui a eu peur, là, euh, qui, est dans les, euh, qui est dans les airs sur un disque volant qui envoie de l'énergie rouge euh, donc sur Chantor, celle qui, qui nous a aidés, euh, qui se soulève et qui essaie de, de contre-attaquer avec de l'énergie bleue. Euh, Légionnaire commence à, euh, disons à, à crier de façon négative un petit peu euh, on, on fait ce qu'on peut pour pouvoir le calmer avant de pouvoir aller aider sa maîtresse. Alors, juste au moment où on, on voit le méchant Nigri nous envoyer un, euh, donc une, un éclair magique dans notre direction, alors on entend le son et on réalise qu'il faut se dépêcher, se dépêcher pour courir. Alors, c'est qui qu'il faut que je compte le nombre de discarded fake cards Ok, alors on va compter le nombre de discarded fake cards. Que j'ai eu donc dans ma magnifique partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, si c'est 10 or fewer, j'ai le meilleur en passant. Donc, j'ai avec tout ce que j'ai vécu, est-ce que je l'accepte? Bah bon, oui, on va l'accepter. Alors, regardons ensemble euh, qu'est-ce que ça va donner. You manage to drag Legionary and Birdie out of harm's way, safely towards the ruins ahead. The bolt hits the wisp trees behind you, causing many of them to splinter and fall. Hey, oh! Ça irait beaucoup mieux hein, si euh, j'y allais avec, euh, avec mon micro qui n'est pas muté et que cet épisode-là est dû pour terminer. C'est quand même assez incroyable. Je ne sais pas ça fait combien de temps que je, euh, que, que je peux vous dire que je, parle, euh, que je parle dans le vide parce que je viens de me rendre compte que mon micro était sur mute. Mais bon, ça pour vous dire que j'ai eu mes achievements. Euh, j'ai cochés. Um, donc, on a un, un succès de groupe pour, euh, pour cette, euh, cette mission-là. Et Thorax a réussi également un succès euh, personnel parce qu'il a réussi à, à euh, prendre, dans le fond, à, le check pour la, la, la Great Axe qui était là. Alors, ça donne des fameux cristaux que je vais pouvoir utiliser dans les euh, scénarios, euh, dans les prochains scénarios pour soit me rajouter un mouvement, un succès d'attaque, un succès euh, de. de euh, d'un test ou euh, de pouvoir me redonner un stamina ou un point de vie de plus dans ces tests-là. Okay? Donc, ça va me donner ça. Écoutez, euh, c'est ce qui m'a fait... C'est incroyable. Euh, J'adore je, vraiment beaucoup ce jeu-là. Je dois vous dire, je l'aime énormément. Mais là, vers la fin, là, il y avait vraiment beaucoup de choses à gérer. C'est vraiment juste une question de nouvelles règles. Là. Mais le jeu, il n'est vraiment pas compliqué. Là. Mais maintenant, je, maintenant que je comprends euh, que le petit symbole qui est ici, c'est un petit symbole qui m'indique que, que c'est des points de dégâts qu'on subit quand on quitte une case. Je trouvais ça niaiseux qu'il ait pas de côté négatif. Là, on voit qu'il y en a un côté négatif. Fait que là, maintenant, je vais le comprendre. Ça va bien aller. Il ne faut pas que j'oublie que quand les ennemis ils spawnent. Euh, ben, il ne euh, s'active pas pendant le tour qui, euh, qui arrive en jeu. Euh, Puis aussi les petits oublis que j'ai eus par rapport au quart d'histoire que j'ai pas du tout manqué dans le premier épisode ou que j'ai pas du tout manqué au début de ce, de ce deuxième épisode. Mais à la fin, on dirait qu'il y avait tellement de choses à gérer. Puis il y avait vraiment un côté stratégique euh, de faire avancer euh, Birdie. Mais voilà, mais ce n'est que le tutoriel. Hein. Je vous rappelle qu'on n'a pas officiellement encore commencé la campagne et j'ai joué je ne sais pas combien de temps. J'espère que vous avez apprécié cette aventure-là. Je sais que c'est long. Euh, ça, ça me fait quasiment penser à des épisodes à la Etrigan. Euh, moi, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir ce fameux combat-là avec... Euh, le méchant sorcier qui se promène sur des disques et notre Aide, qui elle aussi semble être une sorcière très puissante, euh, qui nous ont attaqués. On a réussi à sauver Birdie, on a euh, réussi à sauver euh, Legionary. Alors, euh, on va voir où cette histoire-là va nous amener. Mais une chose est sûre, Jonai, Thorax et Lunara font maintenant partie de l'histoire de la zone jeu de société. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je suis épuisé ce soir. Wow! Hey, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Discord. Allez faire également un petit tour chez mon commentaire, boutique de jeux la pioche au www.boutiquelapioche.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon. Et d'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société. On va se revoir très bientôt. Et surtout, revenez-moi pour le troisième épisode. Parce qu'on va maintenant, je pense que ça va être beaucoup plus ancré dans ma tête tout ce qui, euh, tout ce qui se passe. Là. Puis euh, je vais avoir beaucoup plus de plaisir malgré que j'en ai déjà énormément. Alors merci beaucoup. Bye bye.